Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Histoire d'en parler. Nous sommes le jeudi 27 novembre 2014 et c'est déjà la 23e édition de Histoire d'en parler ce soir. Ça va être chaud. Et ce soir, on vous emmène au cœur des 14e et 15e siècles, très troublés, notamment de l'histoire de France, en évoquant un personnage historique. On continue la série des émissions biographiques. Oui, Jean-Claude, je te vois déjà te manifester. Je t'écoute. Je n'ai même pas encore annoncé le personnage, mais il s'agit de Jeanne. De qui vas-tu parler aujourd'hui ? Alors, eh bien, de Jeanne d'Arc. Ah, d'accord. Jeanne d'Arc, comme le dit cette très jolie, ce motet. Que je vais laisser encore quelques instants. Oui, très très bien. Tu peux, bien sûr. Olivier Burette en plein recueillement. Olivier, entend des voix. Et maintenant, c'est à notre Léon Zitrone de la Web TV Étoile du Cœur que de parler de Jeanne. Que dis-je ? À notre André Castelot, à notre Alain Decaux, à nous ! Tu pouvais citer aussi Henri Guillemin, qui a fait toute une série d'émissions sur Jeanne d'Arc, tout à fait captivantes, mais très très longues et très fouillées, comme il avait, je pense, l'habitude de faire des choses certainement beaucoup plus fouillé que nous le faisons nous-mêmes aujourd'hui, quand même. Je remballe mon Guillemin. Tu as préparé l'émission. C'est pareil, bien sûr que je l'ai préparé. Et moi aussi. Je n'y vais jamais comme ça. Je sais que tu l'as préparé. Mais c'est bien parce que De Gaulle... Bah écoute, De Gaulle... Faut dire la vérité, l'émission n'a pas eu un grand succès. Bah il n'y a surtout pas eu tellement d'interventions... toujours le même nombre de visites, mais pas de personnes ne se sont pas trouvées. C'est pas un sujet polémique, quoi, De Gaulle. Dommage, pourtant, je l'avais rendu polémique. J'avais remarqué, mais bon, on a quand même vu dans cette émission sur De Gaulle, pour y revenir deux secondes, que on a quand même
présenter dans cette émission De Gaulle tel que, en tout cas, nous pouvions estimer qu'il est, tel qu'il est, dans sa réalité, avec, comme on l'a dit, les côtés évidemment positifs, et puis les côtés parfois un peu moins sympathiques du personnage, ce qu'on a vu l'autre fois. Ou alors peut-être Olivier, c'est ça l'histoire, un peut-être peu aussi, Olivier, que les internautes n'aiment pas quand je t'amène la polémique. Peut-être que c'est ça, et qu'ils veulent entendre parler le docteur Seigneur. Alors à ce moment-là, ça deviendrait un MOOC. Bah oui. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un MOOC, c'est-à-dire un cours en ligne. Bah voilà. Voilà, c'est très à la mode à l'heure actuelle. Alors jamais, je fais mon cours en ligne, et puis voilà. Alors que quand même. Non, c'est une émission qui s'appelle Histoire d'en parler. Donc, précisément, il s'agit de parler du sujet dont on traite le soir. Et de raconter des histoires. Et après, on peut raconter tout ce que tu veux sur Jeanne d'Arc. Mon Dieu, c'est le cas de le dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Et puis je vais te laisser tranquillement parler de Jeanne d'Arc. Je t'en prie. Une déclaration d'un pape, le pape Pie II. Ouais. Sa sainteté, le pape Pie II. Ouais. C'est marrant, tous les papes sont saints. Oui, bah, t'as remarqué, oui, ça, c'est à la mode récemment. Pie II a déclaré, était-ce œuvre divine ou humaine? Il me serait difficile de l'affirmer. Quelques-uns pensent que les Anglais prospéraient. Les grands de France étaient divisés entre eux, sans vouloir accepter la conduite de l'un des leurs. Peut-être que l'un d'eux, plus sage et mieux éclairé, aura imaginé cet artifice de produire une vierge divinement envoyée, et à ce titre, réclamant la conduite des affaires. Il n'est pas un homme qui puisse refuser d'avoir Dieu pour chef. C'est ainsi que la direction de la guerre et le commandement militaire ont été remis à la pucelle. Voilà, c'est pas le premier couillon venu, quand même. Oui, bon, bah, alors ça c'est toujours le genre de chose, dire que... Qu'est-ce que je disais dans une insertion sur Facebook avant de venir ici? Moi, je ne vais pas aller démontrer, affirmer que Jeanne d'Arc a existé ou pas, ou je ne sais quoi. On va balayer ensemble les différentes théories là-dessus. Je pense qu'il faut se concentrer dans des événements aussi lointains, dans une période quand même qui est extrêmement troublée, qui est le 15e siècle, la guerre de 100 ans. On peut difficilement parler de Jeanne d'Arc sans parler, raconter un peu ce que c'est que cette guerre de 100 ans, quand même quelque chose d'absolument inédit dans l'histoire de France. On peut se centrer, à mon avis, sur trois choses, c'est-à-dire, d'une part, les faits, hein, en tout cas les faits historiques, tels qu'on les connaît, bon an, mal an, pourrait-on dire. Le cadre historique, hein, ça c'est également important, et puis alors surtout dans le cas de Jeanne d'Arc, troisièmement, sur les suites. C'est-à-dire que on est en présence d'un fait historique, il y a quelque chose, bon, quand même, un certain nombre de choses liées à Jeanne d'Arc qui sont quand même entérinées dans les livres d'histoire, si tu veux. Bon, après, ça ce sont les faits, le cadre historique, ben, c'est la guerre de 100 ans, et après, alors effectivement, cette citation de ce pape, etc., après il y a toutes les suites, c'est-à-dire la façon dont cette histoire de Jeanne d'Arc, au travers des âges, au travers de l'histoire, pendant 500 ans, est parvenue jusqu'à nous. Et, certes, mais l'histoire peut-être intensifiée, Olivier. Voilà, mais je pense pas. Cas d'esprit. bien sûr, mais je pense pas qu'on soit dans le cas de Jeanne d'Arc, ce qu'on peut appeler le phénomène Jeanne d'Arc ou Jeanne d'Arc, en tout cas l'affaire Jeanne d'Arc, comme dit ce livre, dans quelque chose qui serait un énorme canular historique. Après, il y a un certain nombre de choses qui se déroulent. Et après, il y a leur interprétation. Alors ça, c'est encore autre chose. Hein, il y a quand même le fameux procès. Là, il y a des écrits, etc., de ça. Il y a les origines de Jeanne d'Arc. On va évoquer tout ça dans un instant. De savoir comment, hein, je fais encore référence à cet ouvrage, pouvait-elle communiquer avec le roi Charles VII alors que c'était une paysanne de la région du sud de Bar-le-Duc, du pays barrois, et que donc dans cette région-là, à cette époque-là, d'ailleurs je trouve ça extrêmement intéressant comme théorie, eh bien les habitants de cette région-là ne parlaient pas le français qu'on parlait au château de Chinon ou à Bourges. Hein, alors il y a effectivement énormément de choses, et moi, ma modeste ambition dans cette émission, ce n'est rien d'autre que de dire ben voilà ce que moi j'en apporte, et puis après chacun se fait une opinion. Parce que je pense qu'en fait,
dans ce thème de Jeanne d'Arc. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette émission. De toute façon, à chaque fois, on discute ensemble des émissions, mais bon, généralement, tu me laisses toujours liberté totale. J'avoue que bon, moi, j'ai tendance à effectivement prendre des trucs qui m'intéressent. Bon, De Gaulle, ça m'intéressait pour d'autres raisons, on n'y reviendra pas. Jeanne d'Arc, ça m'intéresse parce que je trouve que c'est on est en présence de quelque chose d'extrêmement complexe et surtout de l'écho ensuite que ça a dans l'histoire, parce que on va le voir, ça devient une image d'Épinal, quelque chose de complètement mythifié et dont tout le monde dans la société actuelle, et on verra ça aussi aujourd'hui, je pense, au niveau politique, s'en réclame. Quoi. Alors, la République s'en réclame, l'Église s'en réclame, oui. Les extrêmes s'en réclament, enfin, les monarchistes, etc. Ça fait quand même beaucoup de choses. Comme disait Arletty, mon cœur est à la France, mais mon cul est à l'international. Voilà. Mais quand même, pour bien commencer, par rapport à cette histoire, je ne dis pas qu'elle n'a pas existé. Je dis qu'il y a une falsification de l'Église catholique. Mais c'est ce qui a été fait après, oui. Je rappelle simplement que dans le Deutéronome, il est écrit « Une femme ne vêtira pas un vêtement d'homme, non plus qu'un homme n'usera d'un habit de femme. Celui qui fait ça est abominable aux yeux de Dieu. » Comment se fait-il qu'elle se retrouve habillée en homme? Ça, c'est le processus même, du déroulé, du procès, l'inquisition qu'il y a après. Et j'en ai d'ailleurs démonté, mais on va pas commencer par sa mort, la pauvre, démonté le processus. Il y a plusieurs théories là-dessus. Qu'elle soit habillée en homme, c'est une femme guerrière. Moi, franchement, ça ne me choque pas plus que ça. Seulement, là encore une fois, à mon avis, il y a un certain nombre d'événements qui se produisent dans cette trente troublée de la guerre de Cent Ans. Ça, c'est clair, entre le moment de la naissance et de la mort de Jeanne d'Arc, donc on va en 1412, puisqu'on avait fêté en 2012 le 600e anniversaire, si je me souviens bien, 1412, et puis donc elle meurt après son procès, brûlée, en 1431 à Rouen. Pour l'histoire, le procès a été intenté le 29 mai et elle a été condamnée à être brûlée le 30 mai, moins de 24 heures. C'est un peu cochon. Ça fait partie, et puis ça fait partie surtout, de la distance historique. Il est évident que il y a peu de chances que ça dure que 24 heures. Parce qu'après, si tu veux, tu ne me contredis pas sur les dates. Nous sommes bien d'accord. C'est très difficile à vérifier. Tu viens de dire qu'on l'a jugé. Mais bien sûr, mais il n'y a pas. Il y a des écrits peut-être, mais après, il y a leurs interprétations. C'est bien là le problème. Il y a un certain nombre dans l'histoire de Jeanne d'Arc, je pense, de faits, c'est ça que je veux dire, historiques qui parviennent jusqu'à nous. D'une façon pas déformée, mais d'une façon quand même liée à la distance du temps, moi j'en suis sûr, et moi je dis toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est pas comme si l'histoire de Jeanne d'Arc avait eu lieu, en 1929, où là, franchement, il y aurait très difficilement, on aurait évidemment les pièces à conviction, si je puis dire, absolument indubitables. Il ne faut quand même pas oublier que ce truc-là... Ça date de 1431, nous sommes d'accord. Donc voilà, quand même. Donc, c'est une distance extrêmement lointaine. Donc il y a des documents, moi en préparant cette émission, sur internet circulent 10 lettres, dont 4 qu'elle a signées. Quand tu tapes sur Google Images Jeanne d'Arc, tu tombes sur un certain nombre d'écrits et sa signature. Bon, alors qu'elle était censée être, un alphabète, etc. Dans la version du film de Luc Besson, qui est une version que je trouve intéressante, dont on parlera sans doute, ce film sorti en 99, Jeanne la Messagère, Luc Besson nous présente d'abord la version officielle, si je puis dire, et puis ensuite, dans une deuxième partie, il aborde une partie plus critique, mais il ne remet pas en cause néanmoins
des faits. Et c'est ça en fait ce que je veux dire, c'est qu'il y a certainement quelque chose qui s'appelle Jeanne d'Arc et qui va arriver à un moment propice politique justement, au moment critique de cette guerre de 100 ans, ça c'est tout à fait à mon avis, moi ça je dis pas que j'y crois ou j'y crois pas, mais enfin pour moi c'est quand même une évidence. Et puis ensuite à la distance historique, et le problème de la distance historique c'est que effectivement c'est pas comme si tu avais ces faits là qui s'étaient produits au 15e siècle et puis après on laisse tomber, on n'en parle plus pendant 600 ans et puis après on va aborder ça au 20e siècle pour des raisons XY. Non, justement pas. L'affaire de Jeanne d'Arc, pour des raisons évidemment politiques, ça va être complètement repris, instrumentalisé souvent pendant à peu près 600 ans, c'est une évidence. Hein, et donc on balayera les siècles ensemble ce soir, au 19e siècle notamment, hein, où elle sera transformée d'une part, bon, il y a, tu sais bien, son histoire de béatification, etc. Et puis, en dehors de ça, elle deviendra tout simplement, certes peut-être une sainte religieuse, mais aussi une sainte laïque, peut-on dire aussi, hein, puisque... Encore à l'heure actuelle, hein, il y a une fête républicaine de Jeanne d'Arc, faut pas l'oublier, ça n'est pas que des pots de gerbe du Front National, tous les 1er mai, rue de Rivoli. Hein, ça n'est pas que ça, Jeanne d'Arc, évidemment. Hein, c'est bien plus complexe que ça. Et je pense que c'est ça un peu que moi je propose ce soir d'aborder. Il y a une chose, et tu me parlais des dates tout à l'heure, du 29, d'un procès qui dure que 24 heures, expédié, etc., etc. Ça, moi, je suis extrêmement prudent quand on parle de la fin du Moyen-Âge et quand on parle de période lointaine sur les dates. Il y a des dates, on est d'accord, hein. Je ne veux pas non plus encore faire notre chapitre habituel, on en parle souvent sur le récentisme, oui, etc. Oui, oui. Hein, mais c'est certainement pas quelqu'un comme François de Sarre qui dirait le contraire. Qui viendra en février 2015. Bah, écoute, tu es cordialement invité. Ah ben, ça, je viendrai avec plaisir si je suis là. J'espère. Bon, je débrouillerai pour que tu sois là. Parce que je me déplace, j'ai un petit déplacement à l'étranger, mais enfin bon, on verra. Mais il y a quand même des choses bon, qu'il faut essayer d'aborder et de reconstituer, hein, en quelque sorte, une forme de chronologie. Cette guerre de 100 ans, on a la chronologie, comment dire, des rois, elle va quand même, des règnes de cette époque, elle va quand même s'étaler du début du XIVe siècle au milieu du XVe, quand même. Hein. Ça commence en 1337, hein, et c'est quand même très intéressant, cette date, hein, pour se terminer en 1453, qui est quand même une date extrêmement symbolique, je le rappelle, parce que 1453, c'est certainement la fin de la guerre de 100 ans en Occident, hein, et une confortation du royaume de France. Alors, Jeanne d'Arc, elle, disparaît 20 ans avant. Hein. Donc, quand tu lis, Jean-Claude, dans toutes les sources diverses, hein, que Jeanne d'Arc a mis un terme à la guerre de 100 ans, évidemment, c'est absolument faux, hein, puisque, bien sûr, la guerre de 100 ans se termine après. Mais qu'elle ait contribué, hein, donc Jeanne d'Arc, hein, contribué à ce que la fin de cette guerre se dirige, 20 ans plus tard, par effectivement une victoire de Charles VII et surtout une confortation du royaume de France, une reconstitution de ce royaume qui était complètement démantibulé depuis le XIVe siècle, effectivement, on peut l'imaginer. Alors après, tu me diras, oui, mais est-ce que justement ça n'est pas une instrumentalisation du pouvoir royal? Et c'est vrai que cette théorie, effectivement, comme tu l'as lu, fort justement, se défend. C'est-à-dire qu'on, ce serait pas une histoire inventée, mais presque, pour justifier, le couronnement de Charles VII, etc., et puis le retour à un monarque. Je rappelle que le père de Charles VII, hein, Charles VI, a été un roi qui est mort fou, hein, et qui avait cédé sa couronne, aux Anglais, hein, d'où, d'ailleurs, une des causes de la multiplication, de l'empirement de cette guerre. Alors, cette guerre... de 100 ans, comme introduction, hein, et avant ça,
je t'indique que moi, j'ai comme source historique, tu vois comme quoi ça change, que le procès de la condamnation de Jeanne d'Arc, selon ce que moi j'ai trouvé, s'est allé de février à mai 1431. Donc quand même, de février à mai, hein, mars, avril, 3 mois de procès. Et non pas de 48 heures, enfin je veux 24 heures. Moi j'ai de février à mai de 1431 pour les dates de son procès. C'est ce que moi j'ai trouvé en préparant l'émission. Donc je pense qu'en plus, tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est que ça, si tu veux, c'est évident qu'il y a... Tu peux donner tes sources Oui, bah ça je peux la... Parce que si c'est Wikipédia... Je peux te... Non, discute, non, c'est pas Wikipédia, c'est une autre source, tes sources. Que je pourrais donner, je peux pas la donner là, parce que je n'ai pas évidemment je n'ai pas le lien HTTP, mais oui. Je ne l'ai pas inventé, je peux le... Donnez-moi. Je peux te le retrouver, oui, je peux te le retrouver. Tu dis quelle date? De février à mai 1431. D'accord. Si tu veux que je vérifie, je te mettrai la source, hein, il n'y a aucun problème. Hein. Non, parce qu'il y a un internaute qui le demande. Oui, mais il y aura. D'accord. Oui, il n'y a aucun problème. Non, seulement, je ne peux pas le faire là, je n'ai pas d'ordinateur sous la main. Non, mais j'en ai un, moi, c'est mais je. Écoute, non, parce que lorsque j'ai moi imprimé là, je n'ai pas. Non, je n'ai pas. Mais je te le. Continue. Ton émission tranquillement. Je le donnerai sans aucun problème. Alors, bon, évidemment, hein, c'est pareil. Les sources, il y en a qui sont partiales et d'autres impartiales. Hein. Mais dans le cas de Jeanne d'Arc, elles sont souvent assez partiales parce que c'est un sujet quand même qui reste assez polémique. Alors, moi j'ai. Jeanne a été prise. Par les Bourguignons, le 23 mai 1430. Nous sommes d'accord. Oui, ça intervient avant, bien sûr. D'accord. Oui, ce sont les Bourguignons qui vont la livrer, enfin, en tout cas, ce que raconte le déroulé historique aux Anglais. Hein. Et le procès s'est ouvert. Alors, je confirme ta source, le procès s'est ouvert le 9 janvier 1431, devant une assemblée de religieux et de théologiens. Ouais. Le 19 février 1431, le ministère de l'Inquisition est invoqué. Voilà. Le 21 février, la séance est ouverte, etc., etc. Bon, le lien, je vais le mettre. Hein. Ah oui, bah si tu veux, tu peux le mettre, puisque là, ça confirme, t'as qu'à le mettre, tout à fait, c'est parfait. D'accord, nous sommes d'accord. De toute façon... Mais je regarde d'autres liens, vas-y. Encore une fois, cette personne a parfaitement raison de demander des sources. Ça y est, je comprends pourquoi, tout simplement, et je comprends pourquoi, parce que le 28 mai... Il y a eu un deuxième jugement, d'accord? Le deuxième jugement qui lui a été fait. Sinon, elle est condamnée comme relapse. Voilà. Et donc confiée au bras séculier. Et ensuite. Elle reste sur ses positions. Elle ne reconnaît pas son abjuration du 24 mai. Voilà, c'est ça. Dire qu'elle n'a point dit ou entend révoquer ses apparitions. Et que ce qui est toi, la cédule de l'abjuration, elle ne l'entendait point. Bon. Et elle a été condamnée à mourir sur le bûcher le 30 mai 1431. Puisqu'on va là-dessus. Je me suis intéressé à reconstituer le système. Ce qui est extrêmement intéressant avec ces procès qui mènent droit au bûcher, c'est qu'on retrouve toujours le même processus. C'est-à-dire qu'il y a d'abord torture, etc., pour, de façon vraiment atroce, pour amener la personne à abjurer. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que cette technique a été utilisée contre les Templiers au début du XIVe siècle. Elle a été utilisée avant, ne l'oublie pas, lors de la croisade contre les Albigeois pour éliminer les cathares et brûler. Hein. Et donc ce sera également utilisé, on retrouve trois fois, hein, une fois au XIIIe siècle, une fois au XIVe, une fois au XVe siècle, on retrouve trois fois ce type de processus pour éliminer un certain nombre de personnes, si tu veux, Templiers, cathares, et là dans le cas de Jeanne d'Arc. Alors, on la force donc, première chose, à abjurer, hein, après la torture, etc. Donc, le tribunal de l'Inquisition, de la Sainte Inquisition, n'a plus de problème, puisque, effectivement, Jeanne ou celui qui a abjuré dans ces cas-là échappe au brasier en quelque sorte, hein. Mais finalement la personne généralement après se rétracte et donc elle peut être condamnée comme relapse. Et quand on est condamné comme relapse, dans ces cas-là, l'Église livre le relapse au bras séculier. Et le bras séculier, hein, en l'occurrence, eh bien, ce sont les fameux Anglais, hein, à Rouen, qui donc, brûleront Jeanne d'Arc. Voilà comment
le processus fonctionne. Et ce qui est intéressant, c'est que ce processus, bah, rappelle-toi, c'était pareil pour les Templiers, on les avait fait reconnaître tout un tas de choses épouvantables, d'abjurer je ne sais quoi. Ensuite, ils se rétractent, ils sont donc brûlés comme relaps et confiés aux bras séculiers. Voilà, voilà donc, en tout cas pour cette partie-là. Alors, je voulais quand même commencer par l'histoire de la guerre de 100 ans, c'est-à-dire le cadre historique quand même, de ce qui nous intéresse ce soir. Hein. D'abord, il y a un royaume de France au début du XIVe siècle qui est tout à fait en crise. C'est toute la succession de Philippe le Bel. Hein. Et les trois fils de Philippe le Bel, hein, alors est-ce que c'est à cause de la malédiction des Templiers, enfin tu connais cette histoire mieux que moi, hein, où effectivement Philippe le Bel a fait brûler en 1307, arrêter les Templiers en 1307 puis brûler, et donc ensuite c'est les fameuses histoires des rois maudits. En tout cas, toujours est-il que c'est un fait, que les trois fils de Philippe le Bel restent sans héritier, et que la couronne, hein, eh bien, va passer au niveau de l'héritage du royaume de France, tout simplement entre les mains des Anglais. Hein. Et le roi Philippe VI, hein, eh bien, va néanmoins s'emparer, hein, français, du duché de Guyenne, hein, qui est revendiqué, lui, par Édouard III d'Angleterre. C'est le casus belli de la guerre de Cent Ans qui commence en 1337. Nous sommes donc là dans la première partie, hein, du XIVe siècle. Et là, effectivement, eh bien, la situation va être rapidement, dramatique. Hein, puisque le royaume de France, hein, est littéralement envahi par les Anglais, hein, notamment au nord, hein, à partir de 1346-1347. Tant et si bien que l'on arrive, hein, à la carte suivante que j'ai apportée, mais que j'avais également mis en ligne, hein, qui montre donc l'état du royaume de France à l'époque de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire bien après ce que je suis en train d'évoquer, hein, mais voilà dans quelle situation se trouve, hein, le territoire, hein, de ce qu'on appelle la France à cette époque-là, le royaume de France, je ne sais pas si on le voit bien. Et donc, avec, hein, un nord... C'est toi qu'on ne voyait plus. Ah oui, c'est normal, puisque j'ai mis ma carte. Ouais. Donc, qu'est-ce qui reste, hein, de ce royaume de France, il reste, en gros... le centre et une partie du sud. Hein. À l'est, ce sont les Bourguignons, hein, alliés des Anglais. Et puis au nord et au sud-ouest, hein, eh bien, donc c'est l'invasion donc des Anglais. Hein. Et ce que l'on voit, hein, encore une fois sur la carte, c'est que, et on en aura tout à l'heure, la situation en 1429 est d'autant plus dramatique que la ville d'Orléans, que l'on voit au nord de ce qui reste du royaume de France, devient le dernier verrou, en fait, en quelque sorte, qui bloque, hein, une ville fortifiée, qui bloque la progression définitive des Anglais et la conquête définitive des Anglais. Donc les Anglais envahissent le royaume de France, c'est une querelle dynastique, pourrait-on dire, une querelle de succession, tout simplement parce que le roi anglais, hein, des Anglais, britanniques, revendique tout simplement, hein, la couronne, hein, du royaume de France, hein, donc si la guerre de Cent Ans avait été gagnée par les Anglais, eh bien la France et la Grande-Bretagne auraient été unies dans un même état, ça aurait été une histoire tout à fait différente. Donc dès 1340, les Anglais commencent à envahir le territoire au nord, du 1346 à 1347, tout le nord du territoire du royaume de France est envahi, 1355 c'est le sud qui est envahi, hein. Et en 1360 c'est la grande défaite du roi Jean le Bon qui est fait prisonnier à Brétigny. Donc c'est la phase vraiment la plus dramatique de la guerre. De 1360 à 1386, Bertrand du Guesclin, tiens voilà, un chevalier intéressant aussi dans les galeries de portraits de cette époque, va reconquérir une partie du royaume. Hein. Mais nous sommes alors sous Charles VI, qui est un roi qui donc devient fou, et de la grande défaite d'Azincourt en 1415.
qui va cette fois-ci aboutir à la carte que je vous ai montrée, d'autant plus que Charles VI, effectivement, va abandonner sa couronne définitivement à un héritier britannique. Alors, évidemment, on est dans une situation où le Nord, Paris, également la capitale quand même, et donc le Sud sont complètement envahis par les Anglais. Le futur roi, il est encore trop jeune, devrait être Henri VI d'Angleterre. Et le nord-est du royaume, eux, est contrôlé par donc les Bourguignons. Cette entité bourguignonne qui est très forte, très importante dans l'est de la France, et qui est adossée depuis vraiment le plus haut Moyen-Âge à ce qu'on appelle le Saint-Empire romain germanique. Ce Saint-Empire romain germanique, on le voit bien sur cette carte à l'est, bien ce Saint-Empire, c'est cet immense territoire donc qui se veut d'une part l'héritier de l'empire de Charlemagne, il est créé au 9e siècle par le roi Othon, et donc le Saint-Empire verrait bien lui aussi la disparition du royaume de France d'un bon côté, et bien sûr les Bourguignons sont à la fois alliés des Anglais et évidemment du Saint-Empire. J'attire cette attention assez intéressante, qui, je pense, Jean-Claude, est mentionné dans le livre ou dans l'émission de France Inter que j'ai mis en ligne, donc toujours lié à ce livre sur l'affaire Jeanne d'Arc, et qui explique justement que de l'autre côté du Rhône, quand on descend le couloir rhodanien au sud de Lyon, eh bien la Bourgogne, ce qu'on appelle la Bourgogne, était et a été depuis toujours une terre d'empire. Et encore aujourd'hui, quand tu te promènes dans ces régions-là, que tu vas dans des églises de petits villages bourguignons, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur ? Souvent, le symbole du Saint-Empire, c'est-à-dire un aigle impérial. Il faut pas y croire que les frontières de la France ont toujours été les mêmes, pas du tout. Il y a une époque, il y a vraiment, cette frontière était la Bourgogne. Donc, une situation vraiment dramatique. Et qu'est-ce qui reste au milieu de tout ça ? Un territoire autour de Chinon, d'Orléans, où se trouve un personnage qui s'appelle Charles VII, qui en théorie devrait être effectivement le roi de France, et donc qui est roi hypothétique, en tout cas depuis 1422. Et on le surnomme, à l'époque, par dérision, le roi de Bourges. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il est installé à Bourges, dans cette ville donc de la région centre, et il navigue entre Bourges et Chinon. Tout cela pourrait très rapidement très mal se terminer, car dès 1428, eh bien, les Anglais mettent le siège devant la ville d'Orléans, ville fortifiée. Je vous ai montré sur la carte. On voit très très bien sur cette carte, qui est vraiment très bien faite. Là aussi, je peux donner la source. C'est sur un site sur la guerre de Cent Ans, qui est très très bien fait. Il y a toute une série de cartes. Et on voit très bien qu'Orléans est le dernier verrou, en effet, qui fortifié, qui peut retenir encore les armées anglaises de déferler dans ce qui reste du royaume de France. Nous sommes alors en 1428. Et c'est là que notre personnage de ce soir arrive, c'est-à-dire Jeanne d'Arc. Alors Jeanne d'Arc, brièvement, et après on va le détailler, contribue largement, ou aurait contribué largement, à ce que les Anglais lèvent le siège d'Orléans. D'une part, on va le voir dans un instant, elle se fait reconnaître quelque part comme missionnée, dit-on, par des voix, etc., porter le glaive et, requinquer, peut-on dire, l'armée royale, qui est une armée, je n'ai pas permanente, ne l'oublions pas, à cette époque-là, on est encore dans une société de la fin du Moyen-Âge, les armées sont levées quand il y a des crises, sinon il n'y a pas d'armée permanente. Rien à voir avec l'Ost, ce qu'on appelait la Lost, c'est-à-dire l'armée du Saint-Empire.
Et donc Jeanne se fait reconnaître par Charles VII, reconnaît Charles VII, on va revenir là-dessus dans un instant. Ensuite porte le glaive jusqu'à Orléans et donc avec l'armée de Charles VII et en effet délivre la ville. Alors l'entrée de Jeanne d'Arc dans Orléans, Jean-Claude, là je pense que ça fait partie des faits qui ont dû se produire, parce que moi je suis assez frappé toujours en tant qu'historien par l'empreinte que laissent certains événements historiques dans la conscience collective ou le subconscient collectif. Et il y a eu un tel chevillement de cette ville d'Orléans avec Jeanne d'Arc. Moi je connais des gens de la région d'Orléans et qui, crois-moi, sont tous sauf des gens qui vont à la messe tous les dimanches et pour qui franchement le symbole de Jeanne, Jeanne la Pucelle, Jeanne d'Arc, etc., c'est vraiment, enfin, je veux dire, c'est le symbole, il ne faut pas y toucher, quoi. Si tu fais une petite blague, tu serais très mal vu, tu vois, moi aussi, justement, tu fais bien de faire une petite blague. Tu peux faire des petites blagues. À propos de Pucelle, il y en a quand même pas mal qui ont touché. Hein. Voilà, c'est ça, oui, c'est ça. Ou tu l'as fait exprès ou quoi? Et c'est surtout venu de femmes. Il y a quelques hommes qui ont touché et qui ont témoigné que c'était très étroit. Tu sais, c'est parce que, aussi, n'oublie pas que la virginité de Jeanne d'Arc a été vérifiée plusieurs fois. Vérifiée, c'est ce que je viens de dire. Voilà, vérifiée, quand tout allait bien, et puis vérifiée lors du procès aussi. Et le 17 juillet 1429, eh bien, c'est la deuxième étape de la mission de Jeanne d'Arc. Elle voit la concrétisation du sacre de Charles VII à Reims, où il est donc sacré le roi de France. Très facile à voir, hein, regardez la carte, hein, pour aller d'Orléans à Reims. Hein, en passant par Pathé, autre victoire, eh bien, ça veut dire que les armées royales ont cisaillé littéralement en deux la zone occupée par les armées anglaises. Hein, c'est donc une immense victoire, hein, après des années de défaite au sein de pendant cette guerre de 100 ans. Donc, 17 mai 1429, Charles VII sacré à Reims, c'est vraiment l'apothéose pour Jeanne d'Arc, qui ensuite, hein, et on va y revenir, ensuite va, tenter cette fois-ci de libérer Paris. Hein, et ce que les historiens disent, ce qu'on lit dans plusieurs sources, évidemment, c'est qu'en fait, Charles VII préfère jouer cette fois-ci la voie de la diplomatie après les victoires de Jeanne d'Arc, pour terminer, autant que faire se peut, la guerre de 100 ans, il y aura encore quelques combats, bien sûr, mais décide d'abandonner Jeanne d'Arc, qui est alors capturée par les Bourguignons, hein, traître Bourguignon, bien sûr, c'est l'image que l'on en donne, et les Bourguignons eh bien, vont livrer, contre une rançon assez importante, Jeanne d'Arc, donc aux Anglais, hein, les Anglais qui, eux, en ont très peur, parce que c'est une figure, manifestement pour l'époque, de femme, pucelle, on l'a dit sorcière, exaltée, en tout cas menée par un feu intérieur que l'on pourrait approcher, en tout cas d'un feu spirituel intérieur intense. Je ne vois pas comment définir ça autrement, que l'on a peut appeler à l'époque la foi, ou ce que l'on veut, qui fait que les Anglais vont vouloir s'en débarrasser. Seulement, pour cela, ils la confieront à l'Église, hein, et donc au fameux évêque Cochon, hein, et ça s'écrit C-A-U, C-H-O-N, hein, Pierre Cochon, évêque de Rouen, qui va donc instruire son procès. Ce procès donc va la faire abjurer après les tortures endurées, et puis elle va ensuite se rétracter, condamnée comme relapse et donc brûlée. Voilà l'histoire officielle, hein, à peu de choses près, de ce qui s'est passé
pendant cette guerre de 100 ans, guerre de 100 ans qui donc se termine en 1453. Et qui n'a pas duré 100 ans. Qui a duré bien plus que 100 ans, à peu près 120 ans. Alors déjà, falsification. On l'appelle la guerre de 100 ans, la guerre de 30 ans, qu'est-ce que tu veux aussi, mais oui, c'est pareil. Olivier, mais c'est une tradition historique. Qu'est-ce que je elle a duré plus que 100 ans. La guerre de 121 ans. Non, mais je suis d'accord, mais tu vois bien. C'est l'usage des sources. Mais l'histoire est falsifiée. Non, mais il va me la faire quand même. Non, mais quand même, elle a duré plus que 100 ans. Bah oui, mais j'avais déjà pris l'engueulé avec mon professeur d'histoire. Je m'étais renseigné. Je lui avais dit, mais pourquoi vous dites qu'elle s'appelle la guerre de 100 ans? Elle n'a pas duré 100 ans. Voilà. On n'était pas très fort en mathématiques. Néanmoins, on connaît quand même la date de début et la date de la fin. Après, c'est d'un usage de la période. Moi, c'est pas comme 1515. Oui, Marignan. Ça, c'est après. Déjà, les choses allaient mieux. Ça s'arrangeait. Olivier, donc, il n'arrête même pas quand je le contrarie. Oh, non, mais tu peux, j'ai l'habitude maintenant, puis de Gaulle. C'est bon. Ah, mais c'est toi qui choisis les sujets, hein. Ben oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux. On ne peut pas tout le temps parler des petits. D'être dans un consensus permanent. Ça n'a pas d'intérêt. Oui. Alors, justement, je me pose la question, mais les internautes, où êtes-vous? Ah ben ça y est, ils sont encore partis, ça y est, ils ont fui. Personne. Et pourtant, il y avait quelqu'un qui avait posé une question tout à l'heure, qui il est parti, il avait peur. Où êtes-vous? Il pensait que j'avais tout inventé. Non, mais tu sais ce qu'ils m'ont dit cet après-midi? Parce qu'il faut que tu saches quand même qu'il y a une vie en dehors de Facebook, grâce à toi. On m'a dit oui, mais 17h-19h, c'est l'heure où il y a tous les retraités qui sont à la maison et nous, on travaille encore. Alors que. Moi, c'est 19h-21h. Alors qu'ils sont sur Facebook, alors je leur ai dit, mais bon. Et oui, mais il y en a qui m'a répondu, oui, mais entre 19h et 21h, il y a la pub, il y a le journal télévisé. Ben voilà, ben c'est quand même plus important. Foutre. Ah. Prendre des nouvelles de Lolland, là, je crois qu'on n'en parle plus beaucoup. Là, non, oui, c'est vrai, non, non. Non, mais voilà, voilà, ils sont toujours en train de râler, là. Hein? Alors vous dites, oui, je vais poser des questions, je pourrais pas être là pour regarder, mais je regarderai la rediffusion. C'est vrai. Et puis on se retrouve comme des andouilles tous les deux à faire une émission passionnante. Mais de toute façon, tu sais, je me souviens de nuits entières avec Richard Kelzin. Non, mais tu sais ce qu'on va faire. Où on disait, c'était la même chose, il n'y avait jamais d'appel. Tu sais ce qu'on fera? Et on disait, on s'en fout. Oui, mais non, mais tu sais ce qu'on fera? On fera l'émission entre nous et on ne mettra que la rediffusion. Et toc! Donc il n'y aura plus de direct. Voilà, il n'y aura plus de direct. C'est pas tout très monde. Grave. Moi, je pense que bon, y a les compteurs de visite sont là, donc je pense qu'il y a des gens qui vont voir. Oui, mais pose pas de questions. C'est interactif, quand même. Tu sais, Jeanne d'Arc, bon, des questions, oui. Évidemment, si on peut faire une émission sur la guerre d'Algérie, sur l'occupation, sur des sujets alors, vraiment saignants, là. Il va y avoir du monde. Il va y avoir du monde, tu penses. Moi, j'ai quelques amis qui travaillent sur le sujet. Je peux dire que quand tu fais un bouquin sur tout ça, ça devient un best-seller. Allons-y. Mais seulement, encore faut-il le faire. Voilà. Donc voilà. Alors, cette guerre de 100 ans qui dure plus de 100 ans se termine en 1453. C'est un grand moment pour la France et le royaume de France. Mais n'oublions pas que 1453, c'est aussi le moment où un autre empire va disparaître, hein, c'est-à-dire l'empire byzantin, hein, le fameux empire romain d'Orient, Byzance. Hein. 1453, c'est terminé, les Turcs achèvent de conquérir cet empire, et c'est surtout, donc après la guerre de 100 ans, une autre menace qui va apparaître en Europe, eh bien, ce sont les conquêtes hein, de plus en plus importantes des Turcs hein, à travers toute l'Europe, notamment l'Europe centrale. Hein. Je rappelle que les Turcs vont grignoter une bonne partie de l'Europe hein, entre le 15e siècle et même avant, et jusqu'à Vienne hein, au 17e siècle, hein, n'oublions pas. Alors, cette guerre de 100 ans va être une victoire pour la France. Charles VII et ensuite son successeur Louis XI hein, vont donc unifier le royaume. Le royaume sera pacifié, il sera bien sûr beaucoup plus grand que ce que l'on a vu là. Hein, ça va être le début hein, avec Louis XI, on est toujours sous les Valois. Du grand processus qui va amener tout simplement le royaume de France à avoir les frontières hein, à peu près de la France actuelle. Hein, tout ça ne sera effectif évidemment que au XVIIIe siècle et même un peu après. Hein. La monarchie anglaise, elle, entrera en crise. Il y aura une grande guerre civile qu'on appelle la guerre des deux roses. Et la dynastie des Tudors disparaîtra et remplacée par celle des Plantagenets. Alors, revenons donc à notre sujet maintenant, à Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, qu'est-ce qu'elle vient donc faire là-dedans hein. On est dans une situation extrêmement critique hein,
dans le royaume de France. Hein. Et donc, il y a une chronologie, effectivement, des faits, hein, plus ou moins avérés, mais qui, selon certaines sources, sont quand même indubitables. Après, évidemment, je ne conteste pas qu'il y a une interprétation de ces faits, hein, qui se fait, bien sûr, au fur et à mesure donc, de l'histoire. Alors, déjà, il y a les origines, hein, de Jeanne d'Arc, donc née en théorie en 1412, hein, dans un petit village que l'on appelle Domrémy. Petit village situé au sud-est de Bar-le-Duc, au sud-ouest de Nancy, hein, en Lorraine. Et on nous dit, alors je sais bien que là je pense que tu ne manqueras pas d'intervenir, hein, que c'est une bergère, enfin c'était pas une bergère, enfin bon, toujours est-il qu'elle est originaire de milieu modeste, hein, et là se passe effectivement une série d'événements. Alors là, c'est là que effectivement il n'y a pas de traces écrites. Hein. Tu voulais que j'intervienne? Oui, tu peux. C'est très drôle. Quelques centaines d'années plus tard, une petite bergère du nom de Bernadette Soubirous sera aussi envoyée par l'Église pour. Ouais. Souviens-toi, Jean-Louis de Régagnac, les mirages de Lourdes. Ouais. Parce que l'Église était en perte de vitesse. Ouais. Ouais. Historiquement. Ouais. Mais là, sur cette partie-là, les voix, etc., bon, franchement, là, on n'a pas, effectivement, la preuve écrite noir sur blanc dans un document historique, imaginons, d'un curé de la paroisse de Domrémy ou à côté qui dit, voilà, c'est très bizarre, etc., etc., etc. Alors, moi, ce que je pense sur ça, en essayant de recadrer ce que ça peut être, que ces origines-là, c'est que, bon alors certains, il y a une théorie assez puissante qui dit que, en fait, elle était de sang royal, que c'était une bâtarde, donc issue de la famille des Valois, et que donc, elle, bon, aurait été, exilée dans un endroit, bon, etc., 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 puis ensuite se serait mise en route pour retrouver Charles VII et qu'elle l'aurait reconnu extrêmement facilement. Bon, il y a ce genre de choses. Et puis il y a l'idée de se dire, mais pourquoi pas? Est-ce que il y aurait, si tu veux, qu'une jeune paysanne dans son village pourrait en effet être, comment dire, ou se sentir investie d'une mission, donc pour libérer le royaume de France des Anglais. Alors, évidemment, ça c'est une hypothèse complètement gratuite de ma part, hein, mais néanmoins, parce que j'ai pas mal pensé à ça ces derniers jours, la situation quand même du royaume de France, de la France, au XIVe siècle et au début du XVe siècle, dans cette guerre de 100 ans, qui dure un peu plus longtemps, c'est quand même une situation inédite dans l'histoire. Hein. Jamais, depuis les rois mérovingiens, depuis les Francs, depuis quand même presque 600 ans d'histoire, une situation pareille n'était arrivée. Hein. Le seul moment dans l'histoire de France, hein, où tout le territoire est complètement envahi, hein, ou presque envahi, comme ça, bah c'est 1940. Hein, c'est quand même extrêmement intéressant, y compris de faire un parallèle, parce que dans l'émission précédente, sur De Gaulle, on avait dit, oui, voilà, De Gaulle se comparait à Jeanne d'Arc, il était un peu mythomane, je ne sais quoi, mais non, il n'était pas du tout mythomane. Hein, il disait, bah oui, voilà, la situation de la France en 1940, bah, ça rappelle celle du Royaume de France du temps de Jeanne d'Arc, hein,
président de Gaulle, hein, qui était, je rappelle, issu d'un milieu monarchiste, etc., traditionnel. Alors voilà, et est-ce que dans ces cas-là, et là franchement je pose la question, mais c'est une hypothèse totalement gratuite, parce que moi je suis pas, je ne serai jamais un sceptique par rapport à tous ces trucs-là, est-ce que on peut pas s'imaginer, hein, tout simplement, qu'on a vraiment une jeune fille qui, en effet, se sent investie, se dit, voilà, je vais tenter le coup, je vais aller voir, comment rassembler une armée, etc., pour arriver le 12 février 1429 à la cour du roi à Chinon. Alors, je suis bien d'accord que c'est tout à fait discutable de se dire on n'arrive pas comme ça, une paysanne qui parle même pas un mot de français, du français parler à Chinon, comment peut-elle s'intéresser à la chose politique, elle n'a aucune connaissance, elle n'a jamais trempé là-dedans, elle n'a jamais fait la guerre, elle n'a jamais monté à cheval, il y a quand même des invraisemblances. Là, évidemment, dans cette partie-là, c'est quand même un peu complexe. Mais on peut imaginer tout un tas de choses. Sans imaginer quoi que ce soit, restons dans les faits historiques. Comment cette jeune bergère arrive un jour, parce qu'elle est quand même assez insolente avec le roi. Tout à fait, elle est gonflée, j'allais dire. Si tu veux. Que sait-elle de l'histoire de France? Que sait-elle de ce qui se passe? C'est pour ça que ça laisse la place à des hypothèses. L'hypothèse la seule, c'est que donc, tout ça est un coup bien organisé. Donc soit effectivement l'hypothèse bâtarde, etc. Il peut aussi y avoir d'autres choses. Moi j'en sais rien, si tu veux. C'est quand même très difficile, et surtout d'aller retrouver, la preuve de quoi que ce soit. Alors évidemment que cette hypothèse-là. Alors moi je l'aurais pas moi, mais c'est mon propre avis. Tu es d'accord avec toi? Je n'aurais pas, moi, cette idée d'un coup organisé par Charles VII, etc. Moi, je pense, ma position serait relativement un peu différente, qui serait de dire plutôt quelque chose de récupéré. C'est-à-dire que, effectivement, ou d'instrumentaliser, si tu veux. À défaut d'un coup monté, d'une pure invention, et voilà, tu vas raconter ceci, cela. Bon, alors il y a évidemment. Je te rappelle quand même qu'il y a certains historiens qui évoquent l'hypothèse, encore tu parlais d'hypothèse tout à l'heure, qu'elle pourrait être la fille illégitime de Charles VII. Oui, voilà, bien sûr. De Charles VI, et de sa maîtresse Odinette de Charles d'Hiver. L'hypothèse de la bâtardisation, c'est celle-là. La fille de Charles d'Orléans et Isabelle de France. Voilà, c'est quand même des hypothèses. Oui, mais alors. La fille d'Isabeau de Bavière et de Louis d'Orléans. Dans ces cas, que faisait-elle dans ce village, au milieu de tous ces paysans, ne parlant pas un mot, si tu veux. Voilà, enfin, c'est carrément une histoire à la Disneyland, si tu veux. C'est-à-dire que c'est un jour. Le bébé bâtard est déposé mystérieusement, tu sais, à Don Rémy, sur l'autel d'une église. Oui. Et puis leur dire, la pauvre enfant. Oui, mais on a quand même ça avec Moïse déjà. Excuse-moi. Je veux bien toutes les hypothèses. Moi, je suis ouvert à toutes les hypothèses. C'est la personne la moins fermée à ça, ça ne peut pas être plus que moi. Mais moi, je veux bien, pourquoi pas. Mais pourquoi pas. Mais ça reste quelque chose. Et alors, c'est ça un peu avec cette histoire de Jeanne d'Arc, si tu veux, c'est que moi je m'interroge, et je sais bien que c'est une provocation épouvantable que de dire ce que je vais dire, mais je m'en fiche pas mal. Merci. Écoute, c'est quand même normal, on est dans une émission, on discute au moins entre nous, puisque tout le monde a disparu devant le journal télé. On n'est qu'entre nous, là, personne ne nous entend. Il y a aussi l'hypothèse, si tu veux, je ne veux pas dire surnaturelle, mais une hypothèse, moi je pense vraiment d'une paysanne dans ce village, qui est remarquée, si tu veux, par rapport à son côté exalté, etc., et qui ensuite est effectivement instrumentalisée, peut-être, effectivement, à des fins politique. Mais comment arriver retrouver tout ça? Ou alors, il y a encore d'autres thématiques. Alors donc. Parce que je ferme là, je continue avec toi, puisque personne n'intervient. Vas-y. Elle entend des voix. D'accord? Ouais. Sans avoir été Jeanne d'Arc pour ça, elle entend des voix. Je te signale que à cette période-là,
période violente, les personnes qui entendaient des voix étaient immédiatement jugées pour sorcellerie. Oui, bah forcément. D'accord. Oui. Elle a quand même, elle arrive quand même à être une pièce maîtresse de l'histoire de France. Parce que je pense que, si tu veux, encore une fois, il y a quelque chose dans cette histoire de Jeanne d'Arc qui confine, alors je ne veux pas dire au surnaturel, parce que ça n'aurait pas de sens, mais qui confine à une... Comment pourrait-on dire aujourd'hui? On dirait que c'est un personnage exalté, enfin, il y a quand même des gens qui ont une nature comme ça. Bon. Après, un personnage exalté aujourd'hui, eh ben, on l'envoie chez le psy, hein, on lui donne des médicaments pour le calmer. À cette époque-là, le personnage exalté, si tu veux, il est perçu dans un univers complètement différent. Il faut quand même, et ça c'est toujours le même problème, si tu veux, quand on traite de sujets lointains historiques, c'est d'essayer d'arriver à reconstituer, et d'ailleurs tu le dis très justement, de reconstituer le contexte religieux de l'époque. Et c'est un monde, ce monde du XVe siècle, la Renaissance n'est pas très loin quand même, mais enfin encore à cette époque-là, on est quand même dans un monde où le religieux est absolument partout, quoi, dans la société. C'est je veux dire, tu peux peut-être pas des gens qui se disent « je suis libre-penseur, moi j'y crois pas tout ça, blablabla ». Non, je reviens toujours sur ce livre que j'aime beaucoup et que j'avais donné il y a 2 ans, je crois, quand on avait commencé les émissions, qui s'appelle « Ces gens du Moyen-Âge », livre écrit par un éminent professeur émérite d'histoire qui s'appelle Robert Fossier, un personnage qui fut mon maître en histoire médiévale, quand j'étais encore jeune étudiant, en 1989, et il s'est passionné pour cette société médiévale, cette vie quotidienne des femmes et des hommes du Moyen-Âge, vraiment, et d'essayer de reconstituer l'univers, hein. Et là, on est en plein dans l'histoire de la vie quotidienne, c'est quelque chose de passionnant aussi. Hein. Oh. Moi, je suis relation internationale, donc je suis plus dans l'événementiel, dans ma culture historique à moi. Mais je ne suis pas fou non plus, et je reconnais, si tu veux, que tout le travail qu'a fait Brodel, qu'ont fait les écoles historiques sur la vie quotidienne, etc., dans les années 50 et 60, c'est un truc remarquable. Hein. Professeur, c'est passionnant. J'ai une autre question à vous poser, où je m'étonne encore. Je n'ai pas vécu à cette époque, mais les historiens rapportent quand même qu'à cette période-là, seuls les gens de noblesse avaient la possibilité d'apprendre à monter à cheval et montaient à cheval. Or, Jeanne ne fait pas partie de cette catégorie de la noblesse française. Donc, comment a-t-elle appris à monter à cheval en s'entraînant sur des moutons? Non. Non, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est pas clair. Ça fait partie des hypothèses des origines, je suis d'accord. Donc, celle, effectivement, qui je pense, est... alors, moi, je ne veux pas dire que c'est forcément ça. Alors, moi, je te dis, je ne suis pas dans cette hypothèse de bâtard de Charles VII, etc. Fils légitime de Charles VI, mais certains donc sœur de Charles VIII, brune, son comme, frère. Comme sa mère, Isabeau de Bavière. Petite, brune et coquette. Bon, voilà. Mais dans ce cas-là, alors comment se fait-il que, alors qu'il y a le subterfuge de Chinon, tu sais que Charles VII se cache, c'est-à-dire il a peur d'être assassiné, il y a un juste titre sans doute, enfin pas là, mais bon, par rapport à l'époque, il dit voilà, comme ça on va bien voir si elle me reconnaît. Hein, et elle fait passer, il se fait passer, enfin quelqu'un d'autre prend son identité. Mais ça fait partie du merveilleux de l'histoire. Et alors voilà, alors moi je. Bon, il y a le merveilleux de l'histoire, mais ça, si tu veux, si tu dis ça à n'importe quel cénacle historien sérieux, de l'histoire les gens vont rigoler. Tu vois, de l'histoire religieuse. Dirais, mais voilà, on a quand même l'opération du Saint-Esprit par laquelle la Vierge Marie est enceinte. Voilà, chacun pense ce qu'il veut. Hein, voilà, si tu veux, mais je sais bien. Non, mais je veux dire, ça peut être quelque chose de merveilleux. Oui, tu peux avoir. Effectivement, alors moi, ma position, elle est entre les deux. C'est-à-dire que bon, entre eux, si tu veux. Don Rémy, j'ai ramené avec moi pour cette émission un petit reportage sur Don Rémy qu'on pourra écouter tout à l'heure, investi par des voix, etc. Et donc, à l'âge de 13 ans, j'ai une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner. Cette petite nana qui est totalement illettrée, elle déclare, elle aurait déclaré, ou on lui fait dire, j'ai à l'âge de 13 ans, j'ai une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner.
Ce qui veut dire aussi qu'elle aurait un don de parler plusieurs langues, ce qui peut exister aussi. Des choses comme ça, qui fait que bon. Alors là, si tu veux, on est, je suis d'accord avec toi, dans le merveilleux médiéval. Ce qui m'amène à parler, parce que j'ai fait des petites recherches annexes, parce que je me suis dit quand même, dans toutes ces hypothèses, on s'ennuie un peu parfois, et j'ai été fouiné un peu sur ces histoires-là. Et j'ai trouvé, dans un grimoire quelconque, une hypothèse sur Jeanne d'Arc, et qui est, Jean-Claude, crois-moi, assez intéressante. Après, on en fait ce qu'on veut, mais en tout cas, celle-là, elle est un peu inédite. Juste après, une autre respiration musicale. Vas-y. Vous regardez la Web TV, Étoile du Cœur, histoire d'en parler, animée comme chaque mois par Olivier Burette. Et aujourd'hui, oui. Jeanne d'Arc, voilà. Jeanne la Pucelle, voilà. Jeanne qui entend les voix, Jeanne qui se défend d'une façon extraordinaire alors qu'elle n'a aucune culture. Elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, elle prétend que Dieu lui parle et elle est très hardie quand elle répond à Cochon et aux différents autres juges. Oui. Elle est quand même gonflée, la petite nana, là. Alors... est-ce que c'est crédible ce qui est, historiquement historiquement, il y a les bribes de l'histoire qui nous arrivent aujourd'hui, qui rapportent en effet des choses qui sont étonnantes. Exemple. Cochon certes. Lui pose la question, mon cher Olivier, la voix vous vient-elle de Dieu ? Oui, et par son ordonnance. Je le crois fermement, comme je crois à la foi chrétienne, et que Dieu a racheté les peines de l'enfer. Ouais. Aucune notion catéchisme, rien du tout. Ouais. Mais c'est un truc télescopé, ça. Ouais. La voix que vous dites, vous apparaît-elle un ange, ou Dieu immédiatement, ou un saint, ou une sainte? Cette voix vient de la part de Dieu. Expliquez-vous. Je crois que je ne vous dis pas pleinement ce que je sais. J'ai plus grande crainte de faillite
en disant quelque chose qui déplaise à ses voix, que je n'ai souci de vous répondre à vous. Quant à vos questions sur ma voix, je vous demande un délai. Croyez-vous qu'il déplaise à Dieu qu'on dise la vérité ? Les voix m'ont dit de révéler certaines choses au roi et non pas à vous. Cette nuit même, la voix m'a dit beaucoup de choses pour le bien de mon roi. Etc. Mais là, si je veux dire, elle est quand même. Bien sûr que oui, mais voilà. Mais il n'y a pas de magnétophone, il n'y a pas d'enregistrement, et c'est difficile de retrouver les écrits. Là, ce que tu lis là sont des sources historiques, ce livre est extrêmement bien documenté, et donc ce sont les greffes du tribunal donc qui ont noté ça bon à cette époque-là. Bon, alors, est-ce que c'est des fous, je vois quoi, etc. Moi, c'est pas ça que je veux dire. C'est que ce que tu lis là, dans ce discours tel qu'on l'entend, c'est extrêmement intéressant. Puisqu'on a une image vue par l'Église qui est, comment dire, une imagerie d'Épinal absolument incroyable, de s'imaginer qu'on va voir débarquer, comment dire, des apôtres avec leur lance, etc., avec une barbe, je sais pas quoi, enfin des personnages tels qu'on les représentait à l'époque sur les vitraux, etc. Alors qu'elle répond. Muriel vient d'écrire « Je ne suis pas l'émission, mais heureusement on a la rediff ». Bah oui, mais merci, il n'y aura pas Muriel, de rediffusion. Rediffusion. Je salue Muriel. Moi aussi, mais il n'y aura pas de rediffusion. Vous êtes punis maintenant. Ils sont punis. Mais alors, dans les réponses que fait Jeanne d'Arc, prétendue réponse qu'elle fait, c'est quand même intéressant. Parce que si tu étais dans une histoire, si tu veux, reconstituée, je ne sais pas, elle ne répondrait pas ça. Elle répondrait, bah oui, voilà, j'ai vu Saint-Michel, il était habillé avec je sais pas quoi, blablabla. Et en fait, non. Donc, justement, sa réponse montre qu'elle est témoin, comment dire, dans ce qu'elle ressent, d'avoir vécu quelque chose qui est lié à une spiritualité invisible et qui se manifeste dans son esprit. Là, on sort complètement du cadre historique. Là, tu me fais rentrer dans des domaines que je peux traiter aussi, mais je suis pas spécialiste. Hein, non, mais c'est quand même ce que je pense. Donc, il y a ça, c'est, ça. Moi, tu vois, que tu me dis ça, ça renforce l'idée de me dire que c'est ni un conte de fées, ni une abominable manipulation, mais qu'on est entre les deux, c'est-à-dire qu'on est en présence de personnages exaltés, qui se sent investis par quelque chose, et que ce fait, alors pourquoi, franchement je ne sais pas, est-ce que c'est une origine surnaturelle, est-ce que c'est lié à la personnalité de la personne en question, comment savoir, hein, est-ce que alors effectivement il y a une mise en scène autour de tout cela, mais quand même avec un fond de vrai. Tout ça fait que dans les minutes de ce fameux procès que tu évoques, on a quand même l'impression qu'on a une jeune fille exaltée qui sort un discours qui traduit quelque chose d'absolument étonnant qu'elle a vécu en elle, quoi. Bon, voilà. Alors, et là, je te donne une. Alors, ce que je te dis là a été interprété par l'Église, hein, on le sait bien après, hein, puisqu'elle est, je crois qu'elle est fait sainte au début du XXe siècle, hein, pas avant, comme une preuve de sainteté, etc., etc., hein, puisque, comme on sait, hein, vers les années 1450, il y a son procès en réhabilitation, puis après, ça va prendre énormément de temps, on va en parler, hein, je l'ai prévu de l'évoquer, bien sûr, mais... Donc tu vois, moi je suis pour une position assez médiane. Alors, ce que je voulais dire avant cette très belle coupure musicale, qui était en fait un chant que j'ai trouvé de la guerre de Cent Ans, qui s'appelle Le Roi Anglois, hein, qui est un chant donc de guerre, hein, de l'époque. Hein, c'est j'essaye toujours de reconstituer l'atmosphère musicale par rapport aux émissions qu'on fait. Là, je trouvais que c'était intéressant de voir ce que des guerriers qui allaient libérer Orléans pouvaient chanter ou entendre au XVe siècle. Ben voilà, c'est ça la musique du XVe siècle. Rien à voir avec la première extrait de tout à l'heure sur Sainte-Jeanne d'Arc, qui est quelque chose de plus récent dans le temps, qui doit remonter au XVIe, XVIIe siècle. Enfin, c'est pas le XVe siècle. Alors, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il y a une histoire qui court aussi sur Jeanne d'Arc, c'est qu'en fait,
c'était annoncé dans une prophétie. Eh oui. Alors, ça peut faire sourire comme ça quand on dit ça. Alors, c'est pas Nostradamus, hein, c'est pas les quatrains, c'est pas tout ça. C'est beaucoup plus ancien. Et on trouve cela référencé sous Jeanne d'Arc et les prophéties de Merlin. Alors Merlin... Enchanté. Mais oui, mais Merlin l'enchanteur, hein, ce personnage mythique du haut Moyen-Âge, hein, on le retrouve dans deux sources, qui s'appellent donc en latin Historia Regum Britanniae. Alors dans ce texte du Moyen-Âge, hein, c'est un texte du Moyen-Âge qui reprend en fait tout un tas de textes prophétiques, hein, qui auraient été retranscrits. Alors, on sait très bien comment sont venus ce genre de textes, hein, l'écrit des moines, hein, fait que autour de l'an 1000 et au 12e siècle, eh bien justement la tradition orale commence à se figer dans des livres, et donc cet ouvrage qui s'appelle Historiae Regum Britanniae est publié en 1138, et là-dedans, eh bien, certains historiens, hein, alors je montre là, là aussi, hein, je tiens à la disposition de ceux que ça intéresse, la source, hein, voilà les documents de l'époque, hein, ici, extraits, hein, et on nous dit, donc, je cite, hein, traduction... de Monsieur Christian Daniel, hein, donc de ce chapitre, ces trois lignes que l'on identifie à une prédiction, hein, qui aurait annoncé donc dès le 5e siècle, eh bien, que dans l'histoire de France, eh bien, arriverait un personnage donc tout à fait étonnant, que l'on décrit comme, je cite, une jeune fille de la ville du bois de Canus sera envoyée sur place pour remédier à ce phénomène. Initiée à toutes les connaissances, c'est de son seul souffle qu'elle asséchera les sources nuisibles. Alors Jeanne est donc associée à cette jeune fille venant de la ville de Boischenu qui purifiera la France de l'envahisseur anglais, en vertu de ce qu'un bois si près de la maison de son père était nommé ainsi. Alors, c'est ce qu'on dit, Boischenu, c'est apparemment dans les environs de Don Rémy. Alors voilà comment on identifie cela. Et puis on retrouve un peu plus tard, dans une autre source, cette fois-ci, cité par Geoffroy de Monmouth, hein, je cite, 1517, un texte latin qui dit « Ascendet Virgo dorsum Sagittari », c'est-à-dire « une vierge s'élèvera sur le dos des archers ». Alors tout ça, mis bout en bout, établit une théorie comme quoi cette histoire de Jeanne d'Arc, donc des écrits du XIIe siècle, eh bien que une vierge viendrait, sauver la France. Alors je précise une chose, tout ça est rigolo sans doute, une théorie, mais moi je trouve que c'est intéressant, parce que ça je suis sûr qu'on en parle moins ailleurs. Là c'est passionnant, Mais attends, je vais juste te dire un truc, c'est que tout ça, on pense ce qu'on veut, mais ça s'est jamais produit en dehors. Regarde l'histoire de France, quoi, sur les 2000 ans. Oui, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas un cas, enfin, je ne crois pas, moi que bon, peut-être, mais je ne crois pas, il n'y a pas un cas. Je suis d'accord. D'une vierge qui sorte comme ça, là, de. Non. Nulle part. Enfin, bon, après, t'as... Alors, le recours à la vierge, au personnage vierge féminin, ça se retrouve dans l'Antiquité, tout ça. Il y a plein dans les mythologies antiques, ouais. Hein, mais dans le monde judéo-chrétien, on ne trouve pas. La vierge. Oui, la vierge Marie. Mais je veux dire par là que dans l'histoire, si tu veux, donc du haut Moyen-Âge, époque contemporaine, et jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est quand même très intéressant. C'est une hypothèse. Mais chaque fois que l'Église catholique a été en difficulté, toi tu es historien, moi je suis peut-être un peu plus spécialisé dans l'histoire des religions. Oui, bah bien sûr. Et je m'en revendique de l'être même assez bien, grâce à des gens comme Richard Ketzin, ou au Père François Brune ou d'autres. Que l'Église catholique a été en difficulté, elle a eu recours à des histoires que l'on peut remettre aisément en question. Sauf que là, c'est le royaume, c'est pas le si tu veux, on est au 15e siècle, c'est le triomphe du catholicisme selon partout. On n'est pas encore.
Bon, on parlera après de l'histoire de Saint-Romain-de-Sèvres aussi, parce que ça, j'y tiens beaucoup, parce que ça, c'est une investigation que j'ai faite moi-même. Là, pour le coup, que j'ai pas été trouvé sur Internet, il n'y a rien. Ils sont en train de se réveiller, les internautes, là. Ils viennent d'arriver, là. Hein, ils ont regardé le journal télévisé, et puis ils se disent, tiens, on va venir emmerder Carton et Olivier, hein. Ben c'est pas le moment. Oui, c'est, voilà. C'est le jeu à télévisé. C'est plus le moment. Voilà, ils arrivent. Ben c'est comme bien, ça. Viennent, mais vous croyez qu'on est à votre disposition mais que vous arrivez comme ça. Puis maintenant, je voudrais voir l'émission. Ben, c'est en même moment l'émission. C'est en direct l'émission. Surtout que l'actualité n'est pas terrible à ces temps-ci. Ben, non, chose, mais comme... voilà, ils arrivent comme ça. Tu vois, mais les rois. Voilà. On est chez nous, on fait ce qu'on veut. Eh ben non. Je ne répondrai pas à vos questions. Et non. Tu fais comme tu veux. Comme toi, t'as l'ordinateur. Moi, je suis. Voilà. Et ils cliquent. Et il lique, et il lique. Oh là 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 là. Ah bah ça, ils peuvent. J'aime bien. Poser des questions. Non. Alors, pour essayer d'avancer un peu dans l'affaire de... Donc voilà, si tu veux, alors là, si tu veux, ce qui est en péril, c'est le royaume de France. Donc c'est vrai qu'on peut être tenté de se dire... que c'est un récit inventé. Non, je n'ai pas dit que tu l'avais dit. Enjolivé, enluminé. Mais que c'est un récit, voilà, on l'a fabriqué pour... et je ne dis pas que c'est toi qui le dis, je dis que c'est tentant de le penser, parce que, on peut se dire, voilà, pour relégitimer Charles VII. Sauf que quand même, alors après, je ne veux pas renvoyer à tous les films, mais je trouve, franchement, j'insiste là-dessus, alors je sais bien qu'il y a plein d'autres références sur Jeanne d'Arc, il y a Jeanne au Bûcher, il y a les merveilleux oratorios, il y a plein d'écrits extraordinaires, tout le monde, toute la littérature française s'est penchée là-dessus, hein, et tous les grands génies de nos arts et nos lettres, hein, je ne conteste rien, mais je trouve quand même, modestement, que ce film de Luc Besson est quand même pas mal fait. Alors, je ne suis pas fanatique de Luc Besson, moi j'aime bien Luc Besson aussi pour ses films de science-fiction, Cinquième élément, etc. Et je trouve que c'est attaqué à Jeanne d'Arc avec Mila Jovovich, cette actrice serbo-yougoslave, dans le rôle, j'ai trouvé que c'était quand même assez convaincant. J'ai revu le film plusieurs fois avant de venir. Je trouvais que c'était assez intéressant, l'approche... De Besson dans ce... Je ne sais pas qui a écrit le scénario, si c'est basé sur un bouquin, c'est pas impossible. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une approche intéressante. Alors, tant et si bien que quelles que soient les origines de tout cela, le 12 février 1429, elle est reçue à la cour du roi Charles VII, le petit roi de Bourges. Et Charles VII, donc ses conseillers lui disent quand même méfiez-vous, on est quand même dans une période extrêmement trouble, ça pourrait très bien être un coup monté des Anglais pour vous assassiner, hein, parce que quand même ça arrangerait bien les Anglais de liquider Charles VII, hein, comme ça la guerre serait terminée, hein, et le royaume de France deviendrait un royaume franco-britannique. Et donc il a cette idée de tout simplement mettre un de ses conseillers proches, de lui mettre les attributs royaux, et de se dire, si vraiment elle est envoyée par Dieu, etc., avec des voix, etc., avec tout ce frusquin qu'on vient d'évoquer, évidemment, elle va tomber dans le panneau, évidemment. Je te répète textuellement ce qui est écrit, quand elle a été, tu parlais de sa rencontre avec le roi, oui. Voilà, oui. Elle lui a dit... Moi, je te le dis, de la part de Messire Dieu, que tu es vraiment héritier de France, et il m'envoie à toi pour te conduire à Reims, où tu recevras ton digne sacre. Ouais. Pour une petite bergère, elle parle vachement bien. C'est quoi. Assez intéressant. Hein, parce que c'est alors, très bourge. Comme ça, si tu veux, ça renforcerait l'hypothèse de l'instrumentalisation monarchique. Ah. Qui est un truc intéressant, parce que j'évoquerai tout à l'heure le cas de cette... curieuse petite église de Saint-Romain-de-Sèvres. J'insiste vraiment sur ça. J'ai mis sur Facebook, et je l'ai sur ma page web aussi, ce tableau très étrange peint par Paul-Hippolyte Flandrin, peintre du 19e siècle, qui représente justement Jeanne d'Arc en train de prier dans cette église de Saint-Romain-de-Sèvres avant le siège de Paris qui échouera et qui amènera sa capture. Bon. On y reviendra tout à l'heure, mais néanmoins, ce que je veux dire par là, c'est que, elle va reconnaître
avec le ce que tu viens de citer. Donc Charles VII déguisé en courtisan. Et là je suis obligé de sortir de mon cadre d'historien, comment dire, rébarbatif, enfin en tout cas que j'espère pas trop rébarbatif, et de me dire est-ce que on n'est pas là dans quelque chose de profondément spirituel? Qu'est-ce que c'est que la reconnaissance? Jean-Claude, toi, là, c'est quelque chose, tu baignes là-dedans, qui doit te parler profondément. La reconnaissance, quand on reconnaît, quand deux personnes qui ne se connaissent absolument pas, qui se sont jamais vues, se reconnaissent des choses en commun, mais même pas forcément en ayant discuté plus d'une heure. C'est ça, et c'est quelque chose qui existe. C'est très étrange entre un roi et une pucelle. Bon, donc, entre un roi et une bergère. Est-ce que là, on n'a pas quelque chose de très curieux? C'est trop beau pour être vrai. Alors si c'est vrai, mais moi je n'arrive pas à comprendre, malgré tout ce que tu me diras, je n'arrive pas à comprendre comment Jeanne a eu accès au maître suprême de la France, au roi. Ouais. Mais qui est-elle? Alors, c'est parce que ça, c'est donc mon hypothèse médiane. Alors, vas-y. Mon hypothèse médiane, parce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce que moi je pense, qu'on a dans, réellement un personnage, bon, on va dire, exalté. Bon, dans ce village, etc., pour des tout un tas de raisons diverses, je ne suis pas sûr, moi, totalement convaincu que ce soit une bâtarde qui se soit trouvée là, ou que ce soit une histoire complètement bidouillée pour justifier, comment dire, le retour en force de Charles VII et son sacre. Mais moi, je pense qu'il y a bien un personnage, une fille du peuple, qui va être, en fait, instrumentalisée, effectivement, pour tout simplement essayer de sortir de l'ornière, hein. Alors je ne veux pas dire manipuler, hein, mais on se dit que cette jeune exaltée, eh ben, on va s'en servir, et quelqu'un d'exalté à cette époque-là, alors tu me dis les gens qui entendent des voix bon, sont condamnés pour sorcellerie, etc., c'est parfaitement exact, on est dans le monde du tout religieux intégral, mais est-ce que la forme de l'exaltation que pouvait avoir cette personne, cette jeune fille, dont on n'en sait absolument rien, est-ce que ça n'a pas pu être perçu par les contemporains? Et ça aussi, c'est quelque chose, quand on lit les histoires sur Jeanne d'Arc, on a l'impression de ça, perçu par les contemporains, tu vois, de l'époque, comme n'étant pas du tout un truc de sorcellerie. Alors, pour certains, oui, évidemment, les Anglais, etc., mais pour d'autres, non. Et de se dire, bah non... cette exaltation, ben c'est Dieu, etc., c'est des voix, etc., etc., tout ça est vrai. Et on voit bien quand même, quand on regarde les différentes histoires sur Jeanne d'Arc, diverses qui sont écrites, qu'il y a quand même deux camps. Il y a ceux qui sont persuadés que c'est une sorcière, un personnage diabolique qui va prendre l'habit d'homme, hein, comme on a dit à cette époque-là, évidemment une hérésie totale, hein, et qui donc sera liquidée rapidement. Ou alors, est-ce qu'on se dit, les contemporains sont frappés par ça et se disent, ben voilà, ça va bien nous servir. Alors après, moi, je ne sais pas ce qui se passe. Qui a l'idée? Enfin, si, on le sait, enfin, l'histoire le raconte. Donc, elle va jusqu'à Vaucouleurs, où là, elle est remarquée. Ensuite, on l'emmène, effectivement, à la cour du roi, parce que je pense que l'entourage, tu vois, l'entourage, une partie de l'entourage de Charles, futur Charles VII, a l'intention de se servir de cette jeune femme exaltée. Tu vois. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est plus près de ça. Et tu me parles de la connaissance des armes, etc., etc., ça peut très bien eu avoir lieu avant. Et des chevaux, du moment où elle est marquée, etc. Oui, voilà. Oui, ça peut très bien avoir lieu. On l'a formée, j'en sais rien, moi, pendant un an ou deux. Ben oui, mais bon. Des choses comme ça. Oui, mais c'est une hypothèse. C'est une hypothèse, comme une comme d'autres. C'est une hypothèse. Ben, je sais bien. Parce qu'elle est quand même une bonne guerrière. Hein. Hein, et voilà. Elle est entraînée au métier des armes. Tu vois. Voilà. Allez, je vais te faire hurler. Mais non. Et si c'était un mec? Oui, il y a ça aussi. J'ai aperçu des bouquins sur ça. Ben oui, mais. Pourquoi? Ça ne servirait à rien. Mais est-ce qu'il y a l'exemple... inversons la question. Y a-t-il un autre exemple dans l'histoire de France d'une femme, guerrière, soldat, qui s'habille en mec?
Dans l'histoire de cette époque-là, non. Il n'y a rien. Mais même plus tard. Aujourd'hui, il y a les femmes guerrières. Non, mais tu parles dans l'histoire de France. Les Assyriennes. Les... Mmh. Enfin bon, tu sais. Non, mais aujourd'hui. Hein. Bon. On en a. Parce qu'elle est quand même dans l'Antiquité, plein. L'Antiquité des Amazones. Je te parle de l'histoire de France. Oui, voilà. C'est la femme en armes. Mais dans ces cas-là, pourquoi Mais tout simplement, pourquoi, une belle invention de l'Église catholique encore. Pourquoi une femme? Mais oui. Mais pourquoi à ce moment-là aurait-on imaginé un travestissement? Mais attends, regarde les. Mais on s'en fout dans ces cas-là. Attends, mais l'histoire, est pleine de Bresson, chevaliers. Attends. Cartier-Bresson, souviens-toi, le film avec Ingrid Bergman. Ouais. Quand même. J'ai évoqué quand même tout à l'heure le début, enfin, toute la période d'avant de la guerre de 100 ans, du Guesclin. C'est quand même un chevalier emblématique de la guerre de 100 ans, hein, qui va donc avoir quand même un certain nombre de victoires. Hein. Et du Guesclin, personne ne s'est dit, bah, tiens, on va dire que c'est une femme, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, j'ai dit, il n'y a rien là-dedans qui. Et pourtant, c'est une phase critique de la guerre de 100 ans, qui vaut bien celle de l'affaire de la prise d'Orléans. Moi, je pense que c'est vraiment une femme. Je pense que c'est vraiment une pucelle, une exaltée, et qui a été instrumentalisée probablement, ou en tout cas dont le vecteur puissant de cette espèce d'exaltation, de foi, a été canalisé pour servir. Hein, donc, eh bien, les vues politiques de Charles VII. C'est marrant, elle me rappelle par certains côtés Ségolène Royal. Oui, bah Ségolène, la Virginie. Oui, tu veux dire avec l'écotaxe. Bah oui. Mais bon, les péages devaient être gratuits. C'est un miracle. Non, ça n'aura pas lieu. Non, mais c'est foutu. Sérieusement, il y a quand même des grosses invraisemblances. Donc, voilà. Alors il y en a. Alors après, si tu veux, les histoires. La vraisemblance, il y a quand même aussi quelque chose qui est que quand même, et ça on en est sûr, la situation est quand même bloquée devant Orléans, et depuis longtemps avec ce siège des Anglais. Donc, encore une fois, est-ce qu'on n'a pas là une image, une icône d'une femme guerrière, pucelle, guerrière, exaltée, qui va galvaniser les troupes, tu vois ? On sait bien que dans les guerres, etc., c'est bien connu que quand tu as des combattants qui sont galvanisés, motivés, etc., parfois il se passe des choses étonnantes. Et là, la prise d'Orléans, hein, entre le 4 et le 5 mai, hein, 1429, là on est vraiment... dans quelque chose de tout à fait étonnant. Le 8 mai, hein, les Anglais lèvent le siège d'Orléans. Donc on voit bien, d'ailleurs, dans le film de Besson, enfin, c'est un film, comment elle galvanise les troupes, etc. Et ça devient d'ailleurs une armée non plus de soudards, comme c'était à l'époque, mais qu'elle souhaite être très pieuse, une armée modèle. En fait, ça fait sourire, évidemment, parce que bon, on a du mal à imaginer que ce soit vrai. Mais bon... Je te dis, c'est ça le problème. C'est qu'on est sans arrêt dans ce truc-là, avec des faits historiques, à mon avis, qu'on peut quand même pas nier. Pas mal de mystères au début, beaucoup de mystères au début. Et puis, après, toute la kyrielle d'instrumentalisation, d'histoire légendifiée qu'on en a fait pendant des siècles, jusqu'à aujourd'hui, quoi. Une respiration musicale.
le direct. Très beau passage. Le temps passe. Ah oui, c'est vrai. Et oui. On voit pas le temps passer. Et c'est fou, hein. Ça me rappelle les émissions que tu faisais avec Richard. Oui, oui, oui. Non, mais c'est parfait. Mais bon, alors, arrêtez de me casser les pieds. Qu'est-ce qui se passe? Parce que. Oui, mais là, c'est l'heure qu'on aille manger. Mais vous faites ce que vous voulez, vivez votre vie. Oui, moi, il y a des rediffusions. Comme si vous ne savez pas. Moi, je vais dîner à 21h30, tu vois. Et alors demain, je vais aller à 6h. Moi, je prendrai mon petit déjeuner que demain matin, 8h45. Non, mais vous le savez bien, vous le savez bien. De toute façon, il y a la rediff jusqu'à demain, 17h, parce qu'il y a une autre émission demain à 17h. Et puis, vous le savez pas depuis un an. Qu'il y a la Web TV Étoile du Cœur sur YouTube. Je ne cesse de le dire à chaque fois que j'en parle à quelqu'un. Mais venez pas mettre de commentaires, je vire les commentaires. Les commentaires, ça se fait pendant l'émission, ça ne se fait pas après. Point. Non, parce que. Tant plus que l'émission du 17 décembre est une émission sujet libre. J'en profite pour l'annoncer. On va se marrer, on va être tous les deux. Là, voilà. Mais bon, je vais essayer de préparer quand même. Non, mais à quelle heure vous voudriez qu'on fasse l'émission avec Olivier, hein? Hein, à quelle heure vous voudriez? Et répondez, à quelle heure vous voudriez qu'on... Surtout qu'avant, c'est pas possible parce que j'ai un cours d'amphithéâtre, je ne peux pas le... Voilà. Je pourrais même pas venir plus tôt. Vous voulez pas qu'on se lève à 8h du matin aussi, non? Et puis quoi? Ou alors entre midi et 2h, qu'on mange pas? Non, mais ils sont exigeants quand même. Donc... Voilà, alors, très beau passage, que ce passage, toujours tiré du film de Besson, Jeanne d'Arc... Parce que c'est le moment où justement, dans la cathédrale de Reims, eh bien, Jeanne d'Arc assiste à ce qui semble être pour elle vraiment l'aboutissement total de son parcours, parti de son petit village, pour des raisons X ou Y, on a évoqué toutes les hypothèses. Hein, donc, 8 mai, c'est pour ça que la fête républicaine de Jeanne d'Arc, elle a lieu le 8 mai. Le 1er mai, c'est la fête du travail. C'est l'extrême droite qui fête Jeanne d'Arc le 1er mai, on en parlera tout à l'heure. Et Orléans est abandonné par les Anglais, et c'est un revers énorme, hein, puisque ce sera confirmé lors de la bataille de Pathé, hein, qui est à l'ouest. Et ensuite, les armées victorieuses foncent sur Reims. Reims, où le 17 juillet 1429, eh bien, le petit roi de Bourges, le petit dauphin, la Charles VII, est sacré roi de France. Alors là, bien sûr, on réfléchit à tout ça, on pense à Charles X, on pense à la restauration des Bourbons au XIXe siècle. Hein, Charles X qui avait voulu être sacré à Reims, c'est-à-dire c'est le dernier roi de France qui sera sacré à Reims. Hein. Reims, pour des raisons très profondes liées à Clovis, aux Francs, etc. Et Muriel qui te fait des bisous. Bisous Muriel. Elle va manger. Elle regardera ce week-end. Bon appétit Muriel. Voilà, merci. Reims, si tu veux, est censée être détentrice, la cathédrale, de ce qu'on appelle la Sainte Ampoule, c'est-à-dire de l'huile donc qui aurait servi au baptême de Clovis, hein, et qui serait arrivée portée par un ange, etc. etc., etc., etc. Et oui, Jean-Claude, c'est drôle, mais et justement dans le film, là, en question, eh bien, il n'y en a plus d'huile, et donc on assiste à une petite tour de passe-passe, comment dire, pour faire en sorte qu'il y en ait à nouveau, hein, bien sûr. Mais c'est pas ça que cela veut dire. Ce qui compte dans toute cette histoire-là, c'est évidemment la puissance symbolique que ça représente au niveau, bien sûr, de l'instrumentalisation, cette fois-ci, de la monarchie française, en tout cas, ou d'un moment de l'histoire de la monarchie française. Hein. Et c'est là que, je pense, qu'on rejoint l'idée, hein, que Jeanne d'Arc n'est pas forcément un conte inventé, n'est pas forcément une histoire un peu romancée, et qu'en fait elle n'était pas du tout ce qu'elle était. Moi je pense que c'est plutôt une personne exaltée, remarquée dans son village et ensuite instrumentalisée pour en effet amener à la restauration tout simplement de l'intégrité du territoire du royaume de France. Et alors c'est pour ça que ensuite après Reims, tout va changer. Cette histoire est très courte, hein, puisque de juillet à septembre 1429, Jeanne d'Arc va poursuivre
sa mission, en tout cas, pour laquelle elle se sent investie, hein, qui est donc, eh bien, de, donc, cette fois-ci, de libérer Paris, hein, de poursuivre sa mission. Je rappelle quand même que la mission, en tout cas, qui lui a été allouée, est de, comment dire, de libérer, hein, de bouter, je cite l'anglais, hors de France, ce qu'elle ne fera pas, hein, puisque la guerre de 100 ans se termine en 1453 et pas en 1431, hein, du tout. Hein, il y a encore 20 ans de guerre, hein, après. Hein. Donc ça, par contre, ça, effectivement, c'est un correctif historique qu'il faut apporter. Là, c'est indubitable, si tu veux, c'est évident. Hein. Mais ça n'empêche pas, quand même, que ce qui est intéressant là-dedans, il y a quand même un aspect symbolique puissant, c'est-à-dire que c'est le moment du relèvement. C'est-à-dire que c'est un moment où, unique dans l'histoire de France, avec 1940, le pays est quasiment totalement envahi, il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus rien. Même la période actuelle, qui est quand même une période très sombre dans l'histoire de la France, hein, Jean-Claude, c'était quand même pire à la guerre de 100 ans, quoi, tu vois. Bah, on imagine Hollande déguisé en roi de Bourges, tu vois, t'imagines, hein, puisque ce cher président de la République, c'est qui, s'est déguisé, souvent brodé, brocardé, différentes choses. Bon, à cette époque-là, c'était quand même pire. Mais dès septembre 1429... J'ai compris maintenant, j'ai compris. Je crois que c'est Julie qui va venir, qui va faire la Jeanne d'Arc. Désolé, je ne suis plus pucelle, mais écoutez, je l'ai été, mais je vais sauver la France. Oui. Fermer la cobe, voilà. Ouais. C'est vrai qu'on aurait bien besoin d'une Jeanne d'Arc en ce moment, hein. Oui, ça fait partie des thèmes de la politique actuelle, ça on va l'évoquer. Mmh. C'est bien que, bon, bien sûr, l'extrême droite se revendique. Ah, tu penses à Marine ? C'est évident. Ah oui. C'est plus sûr que non que dans la dédiabolisation actuelle, je n'imagine pas Marine Le Pen tenir ce genre de discours. Par contre, quand t'entends le discours que tiennent des gens comme Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen sur Jeanne d'Arc, oui, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment l'image du sauveur et du relèvement d'un pays dans un moment vraiment très très sombre. Mais encore une fois, ça n'est pas que ça, justement. Tu veux bien écouter ? C'est ici, à Domrémy, que Jeanne d'Arc a vu le jour il y a 6 siècles. Sa maison natale accueille chaque année plus de 25 000 visiteurs sur les traces d'un personnage historique et politique. Jeanne d'Arc est un symbole politique, un enjeu politique depuis le début, depuis sa vie elle-même. C'était déjà un enjeu politique pour le roi Charles VII et manifestement, ça en est toujours un. Dans le musée qui lui est consacré, des milliers d'objets retracent le parcours de l'icône. Jeanne d'Arc, emblème politique revendiqué à gauche, mais aussi et surtout à droite, sous le régime de Vichy et depuis une vingtaine d'années par le Front National. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est le premier président de la Ve République à venir sur place. Ici, on précise que Jeanne d'Arc appartient à tout le monde, chacun ayant sa propre vision du personnage. La vision de la sainte, la vision de la guerrière, la vision de l'héroïne, chacun peut retrouver à travers la personnalité du personnage de Jeanne d'Arc la part qui lui convient. Pour moi, elle n'est effectivement d'aucun bord politique et il n'est pas question que quelqu'un récupère ou annexe le personnage de Jeanne d'Arc pour en faire le chantre de telle ou telle cause. Loin des enjeux politiques, Don Rémy espère surtout que la visite de Nicolas Sarkozy profitera à cette année de commémoration qui commence. Le petit nerveux était déjà là. Sarkozy, tu sais bien que... J'ai bien dit le petit nerveux. J'ai dit le petit nerveux. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Sarkozy ouais. Dans l'avenir. Ouais. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que... Ça y est, tu sais très bien qu'il avait fondé... J'ai trouvé le sujet de ta prochaine émission. Sarkozy ? Oui. Battre tous les records. C'est pas un sujet historique. Mais c'est l'histoire en 2017. Oui, en 2017, c'est de la futuro. Ce sera de la futurologie. Là. Je reviens. Par contre, sur Sarkozy, ce qui est intéressant, puisque on dit c'est le premier président de la République qui est venu en 2012, etc., dans Rémy. Oui. N'oublions pas que le Sarkozy, je précise bien celui de 2007, c'est-à-dire de son premier mandat, s'est fait élire sur une campagne où tous les personnages historiques de l'histoire de France ont été conviés, de gauche comme de droite d'ailleurs. Pas un sujet de division des voix de Jeanne. Une question de mystère, c'est une question de respect. Et chacun, au creux de son cœur, peut penser que c'est vrai. Peut espérer que c'est vrai, ou peut donner une autre interprétation. Pour la République,
Jeanne est l'incarnation des plus belles vertus françaises. Et pour la République, Jeanne est l'incarnation du patriotisme, le patriotisme qui est l'amour de son pays sans la haine des autres. Oui. Tu sais que c'est pas lui qui... c'est pas lui qui les écrit. C'est que... ce que je viens de dire, il cause bien Guénaud. Oui, voilà ce que j'allais dire. Mais tu sais que Guénaud, tu sais pourquoi ? Parce qu'il est historien. Bah, bien sûr. De formation. Quand même. Et ces discours-là, je trouve que c'est une bien belle plume. Parce que c'est quand même pas complètement faux, tout ce qui est dit là. Et parce que dans le 18e siècle, et surtout à la Révolution française, et pendant tout le 19e... française, hein, qui a eu presque des accents de Gaulle. Eh bien, si tu veux, il va y avoir justement toute une instrumentalisation de Jeanne d'Arc. Alors justement, hein, alors par les monarchistes, par l'extrême droite, qui n'est pas forcément lié aux monarchistes non plus, et puis après par la République. Mais c'est le cas de le dire. Michelet en fera une icône républicaine, il quand bouffe, même. Il bouffe à tous les râteliers. Tu sais que nous avons fait un pari avec un de mes invités, avec Jean-Luc Udry, on a fait le pari de recevoir Valérie Trierweiler ici. Ah oui, pourquoi pas. Tu seras regardé, tu pourras venir. Oh bah avec plaisir. Ouais. Moi, je signale que j'ai acheté, je fais partie des gens qui ont acheté, je revendique le bouquin, je l'ai lu. Tu as passé un bon moment. Mais j'ai trouvé, c'était poignant, j'ai trouvé. C'est vrai. Hein. Moi, j'avais une image, enfin, ça c'est un aparté, plutôt négative. De Trierweiler, quand j'ai lu ce livre, comme pour beaucoup de gens, je crois, m'a paru beaucoup plus sympathique. Mais tu aurais pu me le demander, moi je l'ai piqué sur internet. Tu l'as piqué. Gratuit, bah oui. Non, écoute, moi j'ai été l'acheter d'ailleurs, même j'étais à la Fnac Montparnasse, il y a une équipe de télé, je te jure que c'est vrai. J'ai eu droit à l'équipe de télé en sortir des caisses et j'ai refusé. J'ai dit non, moi j'ai rien à dire, j'ai laissé tomber. Tu aurais pu le prendre et puis le défiler. Il m'a dit, monsieur, que vous pensez-vous de ce livre? J'avais pas lu, évidemment, je l'ai acheté. Et alors il chopait tous les gens qui sortaient. D'accord. C'était, je sais plus, quel. C'est vraiment que ça serait arrivé. Oui, toi, t'aurais répondu, bien sûr. Ah, tu ce que tu en pensais, c'était longtemps. Qu'est-ce que pensez-vous de ce livre? C'est ça. Moi, je l'ai piqué sur Internet, grâce à une amie, d'ailleurs. Ah oui, attends, quand même. Sur ce genre d'aparté... Pour revenir... Alors, c'est là, justement, qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi, qui se passe, et c'est justement, peut-être, une question d'instrumentalisation. En effet, au XIXe siècle, le peintre... Flandrin, un peintre bien connu, peintre d'histoire, peint ce tableau que l'on voit là. Je ne sais pas si tu le vois bien. Oui, tout va bien. Et qui représente, je cite, Jeanne d'Arc priant dans l'église Saint-Romain de Sèvres en septembre 1429. Point d'interrogation, parce que la date, évidemment, n'est pas tout à fait certaine. Donc, on est là au moment où Jeanne d'Arc est abandonnée de plus en plus par Charles VII. Elle va être trahie, livrée aux Bourguignons, qui vont ensuite la revendre aux Anglais, qui ensuite, évidemment, la feront mourir, comme on le sait. Ils la cuisineront en bœuf bourguignon. Ils la cuisineront, oui. Mais néanmoins, ce qui est intéressant avec cette toile, c'est que, en principe, cette scène-là, d'après les historiens, n'a tout simplement jamais existé. C'est un truc qui est une pure récupération, une instrumentalisation dans cette petite église de Saint-Romain de Sèvres. Alors pourquoi dans l'église de Saint-Romain de Sèvres? Parce que l'église de Saint-Romain de Sèvres, je ne sais pas si tu la connais. Où ça? À Sèvres. Donc elle est dans la banlieue parisienne. Là, tu prends le tramway, oui, là, dans la Défense, oui, là, tu sais. Oui. Tu descends, puis tu remontes, et il y a cette petite église. Et cette petite église, elle a une particularité. Alors, c'est que l'église, si tu veux, elle-même, évidemment, dans sa forme, remonte au XIIe siècle. Donc, très bien. Mais en fait, on attribue la fondation de cette église. Et alors là, je rentre dans, justement, des thèmes vraiment de mythification monarchique et monarchisante, et je suis certain que c'est une des pistes pour essayer de comprendre Jeanne d'Arc ce soir, hein, c'est que cette église, eh bien, passe pour avoir été fondée par un roi mérovingien qui s'appelle Dagobert II.
Et moi, je suis allé là-bas, parce qu'à cette époque-là, je m'intéressais, évidemment, comme tout le monde, aux histoires de Rennes-le-Château et compagnie. Et donc, c'était un mois d'août, et je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce que c'est. Et tu sais où j'ai vu évoquer cette histoire de l'église de Saint-Romain-de-Sèvres? Bah, dans une émission, devine de qui? De Jimmy Guilleux, qui s'appelle Les Mystères. Tu sais, la fameuse émission Mystères, là. Bon, où il y a à boire et à manger, je suis d'accord. Mais en tout cas, la partie sur cette église Saint-Romain-de-Sèvres est passionnante. On la trouve comme on veut sur YouTube. Du jour où François Ranqui a été contraint de partir de cette émission, c'est vrai que c'est devenu n'importe quoi. C'est pas l'émission Mystère, c'est pas l'émission Mystère, si tu veux, cette émission-là. C'est la série d'émissions. Ça n'a rien à voir. C'est les Mystères de je sais pas quoi, de Jimmy Guilleux. Tu sais, où il y avait tout un tas de mystères, il y avait Théopolis, tous ces trucs-là. Il y a quand même beaucoup de conneries. C'est l'émission des années 90. Oui, mais il y a quand même beaucoup de conneries aussi. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Des conneries. Et oui, entre autres, peut-être. Néanmoins, il y a une partie sur ça. Alors, cette église aurait été fondée par Dagobert II au 7e siècle. Et donc, il y a une liste incroyable de contributeurs de cette église. Et en plus de tout cela, si tu veux, alors j'ai appelé ça pompeusement le mystère de Saint-Romain-de-Sèvres. Olivier Bure. Culte du mystère, j'adore ça. À déposer. Et ce qui est intéressant, quand tu regardes, bon là on voit très mal parce que c'est très mauvais, mais sur des photos que j'ai prises de la petite plaque, d'information de l'église qui se trouve à côté, une petite église, hein, c'est vraiment tout petit, on t'explique que, effectivement, à cet endroit-là, eh bien, l'évêque de Paris, Saint-Germain, a guéri en 560, donc bien avant le 7e siècle, une possédée du démon, Fortunate, contemporain de l'évêque, raconte l'histoire, blablabla, blablabla, une certaine Magnoflède. Donc il y avait, sur cet emplacement-là, cette église-là, hein, donc l'église, évidemment, tout à fait baroque de style aujourd'hui à l'extérieur, hein. Une origine vraiment religieuse ancienne. Bon, alors, l'histoire de Dagobert II, il n'y a aucune preuve, hein, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, et je cite ce que moi-même j'ai écrit, hein, parce que finalement, je crois que je vais me mettre moi aussi, quand j'aurai le temps, à écrire des bouquins, pourquoi pas, ça finira peut-être par m'arriver à moi aussi. Hein, tout le monde va s'y mettre maintenant. La véracité de la fondation par Dagobert II de cette église, hein, même si c'est écrit à l'entrée, reste très contestée, même si des traces d'un oratoire sont déjà là dès le 6e siècle, et donc avant la fondation officielle, au 12e, fondation officielle, ça c'est la vérité historique, c'est le 12e siècle. Mais c'est une bonne idée que tu écrives un livre. On peut donc supposer que cette venue de Jeanne à Saint-Romain tenterait de renforcer encore un peu plus l'aspect particulièrement sacré de cette église sur le plan monarchique en France, une sorte de symbole de la mystique du droit divin mise en scène au XVIIe et XVIIIe siècle, ce qui pour le coup coïnciderait avec l'histoire de l'église à l'époque moderne. Donc on peut très bien imaginer, si tu veux, ça c'est ma propre prose là. Je ne veux pas me jeter de fleurs, c'est pas ça que je veux dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà mon analyse, si tu veux. Je connais un éditeur. Oui, mais je le sais bien que tu connais des éditeurs. Surtout un. Mais, justement, qui recherche des livres d'histoire. Et oui, mais après, il faut faire le job. Oui, oui, la nuit, tu te lèves. Voilà. Bon, je ferai peut-être. François, en dehors évidemment de ce que je te vois demain matin. En dehors de ce que j'écris. Rendez-vous à 9h15 pour le petit dev. Je te présenterai un nouvel écrivain. En dehors de ce que j'écris. En puissance. En plus, il aime beaucoup l'histoire de France. Parce que j'imagine. Mais oui, mais il y en a plein qui aiment l'histoire de France. On voit toujours les mêmes. Heureusement, c'est des gens qui aiment l'histoire, c'est énormément, énormément de monde. Alors ne fais pas de scooter, parce que tu as vu Laurent Deutsch. Ouais, j'ai vu que Éric Zemmour aussi aime bien l'histoire. J'ai regardé l'émission là sur son bouquin l'autre jour. Enfin, c'est totalement rien à voir avec tout ce qu'on dit là. Oui. Sur dans l'émission, on n'est pas couché. Oui. C'est saignant. Hein. Hein, ouais, oui. Tu regardes ça toi? Bah non, j'ai regardé sur internet, j'ai pas été regarder sur la télé. Voilà, le soir je lis, c'est Emmanuel qui regarde la télé, ça, moi je lis. Mon cher Olivier, il est 20h48. On va se dépêcher. Alors, c'est le bûcher là. Surtout ce parti se coucher. Et excuse-moi, je vais en faire une
T'as quand même bûché cette émission. Hein, oui, mais moi j'aime bien, parce que c'est parce que pour moi, c'est, moi j'aime bien. Même pas souri, mais je pourrais faire des émissions sur l'Europe centrale pendant un an entier. Mais moi je préfère sortir de mes des trucs qui me je sais que je connais pas. Vous êtes tous pliés en deux devant vos écrans, vos PC. Et voilà, il a bûché l'émission. Et lui, mais toujours. Continue, mais moi j'adore faire ça. Attends, il a bûché. J'ai bûché. Oui, voilà, mais on y arrive. J'ai compris. Ouf. Ah oui, c'est la fin de la journée, la fin de la semaine, et la fin du mois de novembre aussi qui a été... Ah bon, c'est déjà fini pour toi. Intense. Le mois de mai, j'ai deux émissions. Ah non, moi demain, j'ai beaucoup de choses encore, mais je te dis, bon après, je vais prendre un long week-end. Alors, cette histoire de Alors, donc, elle est trahie, abandonnée par l'armée, par Charles VII, embarquée par les Bourguignons, arrêtée le 23 mai 1430... Et donc la voilà qui se retrouve devant ce tribunal dont on a dit très justement, on a rappelé tout à l'heure les dates, hein, 13 février, constitution du tribunal, février à mars, séance du procès, fin mars, rédaction des 70 articles condamnant Jeanne. Donc là, on est en plein, si tu veux, à la limite, s'il y avait bien une preuve qu'elle existait, c'était bien ce fameux procès, puisque là, bon, on a quand même des sources. Quoi. Mon cher Olivier, depuis 19h, je n'ai jamais dit qu'elle n'avait pas existé. Mais je sais bien. Mais je dis, on peut lui faire faire ce qu'on veut. Il y a bien quelqu'un là, et dans les réponses qu'elle a données, hein, début mai, menace de torture, 24 mai, dans le cimetière de Saint-Ouen, voilà, donc c'est pour ça qu'on est arrivé à ce que tu as dit tout à l'heure, Pierre Cochon oblige Jeanne à abjurer. Pour manifester sa soumission, Jeanne reprend l'habit féminin. Donc là, tout va bien. Et le 28 mai, elle se rétracte. Elle reprend l'habit d'homme. Hein, pour le seul motif qu'elle est considérée comme relapse, évidemment. Et condamnée à mort et remise au bras séculier, brûlée vive, le 30 mai à Rouen. Alors, il y a une question très, très, très importante que je vais soulever. Vas-y. Par rapport à sa virginité. Elle dit que... Non mais sérieux, je suis sérieux là. Vas-y, je suis sérieux, vas-y, écoute bien. Parce que j'ai quelques trucs imparables comme ça. Mais tu vas y répondre en brillant comme tu es. Donc elle est vierge, elle entend la voix de Dieu. Or, quelque chose cloche. Une vierge, et pardonne-moi de la mauvaise liaison, une vierge ne peut pas être habitée par Satan. Il en rigole tellement que même la table en est secouée. Et pourquoi ? Je suis désolé. Et pourquoi ? Une vierge ne peut pas être habitée. Il est admis qu'une vierge ne peut pas être habitée par Satan. Oui, certes. Et ce sont les théologiens. C'est ce qu'on dit de l'époque. Non, les théologiens le disent. Oui, mais alors, à cette époque-là, tu te souviens du film excellent d'ailleurs, tiré du roman de Umberto Eco, Le nom de la rose. Hein, c'est quand Bernard Dauguin, c'est à peu près à la même époque en plus, arrive, je crois que c'est un siècle avant, je crois que c'est pas au XIVe siècle, arrive, tu sais, dans le monastère pour mener l'enquête, et il dit voilà, une femme et un chat noir, sorcellerie. Bon, on allait quand même un peu vite en besogne à l'époque pour diaboliser les gens. Et il ne faut pas oublier que, et tu évoquais la récupération de l'image de Jeanne d'Arc par le régime de Vichy, à juste titre, c'est que Jeanne d'Arc, là, ce procès, c'est un procès politique. C'est peut-être bien même le premier procès politique de l'histoire. Je suis d'accord avec toi aussi. Hein, c'est-à-dire un truc complètement organisé, hein, bidouillé de A à Z, hein, pour s'en débarrasser, car les Anglais veulent s'en débarrasser. Mmh. Pourquoi ? Alors, justement, quand même, c'est là où je reviens sur mon aspect de la jeune fille exaltée. Pucelle. Non, mais. Bon, ah non, mais ce qu'est-ce sont que les... ça change après non, tout non, les théologiens. Fait. Les théologiens ont dit, justement. Par rapport à ce procès, qu'on ne pouvait pas intenter un procès à une jeune femme vierge qui entendait les voix de Dieu, parce que le corps d'une vierge ne peut pas être habité par Satan. Mais la réponse, elle coule de sens. Dans ces cas-là, c'est d'une part une démonstration que ce procès était politique, et ça prouve pourquoi est-ce que aussi rapidement, hein, parce que je ne sais plus où sont les dates, hein, mais je crois dès 1450, dès la fin de la guerre de 100 ans, son procès en réhabilitation est entamé. Hein.
c'est quand même extrêmement rapide. Donc on se dit, ah ben mince, là, on a fait une sacrée bévue, on va rattraper ça, quoi. Bon, les Anglais s'en sont débarrassés pour des raisons politiques, etc., parce que, comment dire, bon, ils pensaient encore gagner la guerre 20 ans avant qu'elle se termine. Ça, ça explique complètement le procès politique en sorcellerie, hein. Mais c'est donc, ça ne dérange pas les Anglais, si tu veux, dans le procès de Jeanne d'Arc à ce moment-là, si tu veux, d'aller contre l'avis des théologiens. Pourquoi ? Parce que les théologiens, c'est pas eux qui vont la brûler. Parce qu'on est dans le mécanisme diabolique, et là c'est vraiment diabolique, excuse-moi, parce que c'est là vraiment je le pense. On peut parler vraiment d'un procès politique. Non, alors. Mais bien sûr, et puis le mécanisme infernal de ce qu'est l'Inquisition. Qui est de menacer les gens ou de les torturer, etc., pour qu'ils abjurent tout ce qu'on veut abjurer, abjurer d'être un templier, abjurer d'être un cathare, hein, parce que des exemples, il y en a, hein, abjurer donc d'être, comment dire, une sainte envoyée par Dieu pour bouter l'anglais, hein. Et puis, une fois qu'on a fait ça, eh bien, généralement, les gens reviennent sur leurs aveux. Rappelle-toi, Jacques de Molay revient sur ses aveux, il est condamné comme relapse et brûlé, hein, on est d'accord, c'est bien connu, hein, début du XIVe siècle, c'est pas si loin. C'est pas si loin, c'est un siècle avant. Hein. Et puis, Jeanne d'Arc, pareil. Hein, elle reprend son habit de militaire, d'homme. Hein, elle dit, mais non, je refuse de reconnaître tout ça. Et elle est condamnée comme relapse. Et dans ces cas-là, quand il y a le cas de condamné comme relapse, l'Église dit, bah non, on peut vraiment rien en faire de celui-là ou de celle-là. Confions-la au bras séculier qui la brûlera. Et voilà, et le tour est joué. Et alors, franchement, c'est l'impression que ça donne. Est-ce qu'elle a subi la torture ? On dit que non, on lui a fait peur avec, moi c'est ce que j'ai, menace de torture. Mais Jeanne arrive à dominer sa peur. Ouais. Elle répond, en vérité, si vous deviez me faire briser les membres et partir l'âme de mon corps, je ne vous dirais rien de plus. Et si quand même je vous disais quelque chose de plus, je dirais toujours par la suite que vous m'avez fait parler par la force. Parce que c'est l'invisible. Enfin, je veux dire, bon, pas là, mais quand moi je reste frappé par les extraits que tu as lus de ces réponses, je trouve que bon, si tout cela est vrai, mais pourquoi pas ? Puisque c'est même contradictoire, puisque à la limite on a les sources, si tu veux, des Anglais qui assistent et les sources des religieux. Donc on a quand même deux, tu vois, en histoire, bon, alors une histoire contemporaine, moi je suis contemporanéiste, c'est important de croiser les sources. C'est-à-dire que si t'as, plus t'as de sources diverses qui te disent la même chose, plus t'as de chances quand même de t'approcher de la vérité historique. Et Dieu alors, sait que c'est difficile. Il y a quelque chose, excuse-moi, je vais encore t'interrompre. Oui, pour accélérer, vas-y. Alors, il y a quelque chose aussi, parce que j'ai lu le livre là aussi, oui, mais j'ai aussi de mon côté, bien sûr. Pour vérifier si c'était vrai, et c'est bien vrai, on retrouve un petit peu la même histoire que Jésus. Écoute bien, et Barabbas. À un moment, Barabbas. Le peuple, souviens-toi Quasimodo, Notre-Dame de Paris, le peuple, à cette période-là, pouvait gracier un prisonnier qui avait été désigné par la population. Enfin, le peuple, voilà, le peuple pouvait gracier. Il doit se lever en procession le jour de l'Ascension, la chasse de Saint Romain, patron de la ville. À l'issue de la procession, le prisonnier est purement et simplement libéré et toute action de justice éteinte contre lui. En 1431, il traînait dans les prisons de Rouen un certain Soupli Lemire, convaincu d'avoir violé et assassiné une jeune fille, Jeanne Corvière. Le peuple put choisir donc ce jour-là, parmi les prisonniers, si ce serait Jeanne, parce que personne n'ignore qu'elle est détenue dans le château. Or, Soupli Lemire est désigné et donc libéré après procession. Cet épisode rappelle étrangement celui de Barabbas. Oui, Barabbas. Mais oui, mais attends, mais ça c'est authentique, hein. C'est en pas plus, une invention. Un très bon film de Marcel Gay. Non, c'est vrai. Donc, j'ai vu que le livre de Marcel Gay et de son comparse là ont subi des critiques d'une violence absolument incroyable. Je te conseille de lire sous l'émission de France Inter les commentaires YouTube. Ils sont vraiment. Vraiment très 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 dur. Donc elle n'a pas été soumise à la torture. Procès politique. Donc il est décidé de. C'est connu comme étant un procès politique. Il est décidé de faire une épilation radicale. Puisque tu aimes bien, les périodes d'histoire plus archi polémiques, parlons justement du régime de Vichy et du procès du maréchal Pétain. Le procès du maréchal Pétain a été présenté notamment par maître Jacques Isorni, qui était un des principaux avocats de Pétain.
comme étant un nouveau procès de Jeanne d'Arc, hein, ça a été évoqué, c'est-à-dire que, hein, que c'était un procès politique, etc., que le maréchal Pétain pouvait, si je puis dire, rivaliser avec Jeanne d'Arc, enfin en tout cas avec De Gaulle, hein, dans l'image du sauveur de la patrie, etc., enfin tu connais toutes les histoires liées à la période de l'occupation, hein. Bon voilà, hein, alors rapidement, puisque nous nous dirigeons... Est-ce qu'elle n'est pas condamnée à mort de suite? Elle est condamnée à la prison. D'abord, perpétuité, nous sommes d'accord. Voilà, et ensuite, et donc, il y a eu rétractation, relapse. Oui, parce que les Anglais veulent la faire disparaître, parce que, justement, ils craignent justement cet aspect de galvanisation et d'influence qu'elle a. Je pense qu'on est vraiment dans le cas, en plein 15e siècle, d'une personnalité, d'une personne exaltée. Alors après, récupérée, instrumentalisée, pour diverses raisons, c'est clair. Mais cette forme d'exaltation, moi je pense que moi ça me semble viable, et ça me semble viable aussi que cette forme d'exaltation ait été perçue par une partie des contemporains de l'époque comme étant quelqu'un, comment dire, missionné par Dieu. Après, il s'agit, comme disait notre ami Sarkozy tout à l'heure dans son discours, ton ami, hein, de comment dire, que chacun y voit ce qu'il a à y voir dans sa propre foi, c'est tout à fait clair. Moi, je crois qu'à une chose, enfin, je constate surtout une chose, et là, je, ce n'est peut-être pas le mot de la fin, mais enfin, je vais quand même rapidement conclure après. Je pense que, si tu veux, je serais tenté de te dire, la foi fait des miracles. Ce qui aussi, il n'y en a pas eu. Hein. Voilà, bon. C'est pas tout à fait, mais je dirais de façon plus, si tu veux, plus tendance mode actuelle, j'aurais tendance à dire que la constatation en soi-même d'une dimension spirituelle, c'est un territoire qu'on n'a pas fini d'explorer. Et je pense que ça peut expliquer beaucoup de cas de choses que l'on attribue à la sainteté dans l'histoire. Et ça, bon, j'ai jamais eu le plaisir de le rencontrer parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et je pense que notre ami, pour le coup, le père Brune, aurait sans doute beaucoup de choses à raconter. Je vous poserai la question le 23 décembre. Me permets-tu de raconter la fin de Jeanne? Oui, bien sûr, vas-y. Merci. Jeanne est livrée au bailli Raoul le Bouteiller, aux ordres de Bedford. Celle qui monte sur le bûcher de Rouen le 30 mai 1431. A le visage embronché, c'est-à-dire le visage caché. Ouais. Personne ne peut donc reconnaître cette femme dont le corps est enduit d'huile, de charbon et de soufre pour favoriser la combustion. À cause de la hauteur anormale du tas de bois, le bourreau Geoffroy Thiérache ne peut pas aller garrotter la condamnée comme il le fait toujours pour lui éviter des souffrances inutiles. Il s'en plaindra à Isambard de la Pierre. Sur le bûcher, un large écriteau est destiné à masquer encore un peu plus la suppliciée. Il est écrit « Jeanne, qui s'est fait nommer la pucelle, menteresse, pernicieuse, abuseresse du peuple, devineresse, superstitieuse, blasphématrice de Dieu, présomptueuse, malcréante de la foi en Jésus-Christ, venteresse, idolâtre, apostate, schismatique et hérétique. » Schismatique. « Sur la place, 7 à 800 hommes de guerre, ouais, portant glaive et bâton, rapportent Jehan Monsieur et Guillaume Manchon, au procès en nullité, tiennent la foule à l'écart. Warwick a fait fermer et clouer les volets de bois des maisons donnant sur la place. Impossible par conséquent à la population d'assister à cette exécution pourtant publique. Pourquoi? Les juges et les assesseurs sont derrière l'évêque Cochon et Warwick, loin du bûcher. Mais aucun n'assistera au supplice. Le jour de la mort de Jeanne, je ne la vis pas brûler, confesse Thomas de Courcelles, au procès de 1456. Le spectacle m'était insupportable, dira Jean de Mailly. Je suis parti. Pierre Miguet, prieur de Longueville, n'a pas assisté au supplice et beaucoup firent de même. Le frère Martin Ladvenu, prêtre régulier du couvent de Rouen, assiste la condamnée et lui dit quelques paroles de réconfort. Le bailli de Rouen oublie de prononcer la sentence, il lance simplement « Allez, allez !» Le bourreau allume les fagots. Jehan Monsieur entend Jeanne invoquer la Trinité, la Vierge Marie, tous les Benoît Saints du Paradis et expressément plusieurs d'entre eux. Tout le monde pleure. Elle demande à avoir une croix.
Un Anglais en fit une avec un petit bout de bois. Elle mit cette croix sur son sein, entre sa chair et ses vêtements, puis elle demanda à celui qui parle d'aller chercher une croix dans une église. Le clerc de la paroisse Saint-Sauveur la lui apporta. Elle l'embrassa longuement jusqu'à ce qu'elle fût attachée. Les Anglais s'impatientaient. L'un d'eux a même lancé « Hé, prêtre, vous ferez-vous dîner ici ?» On peut se demander comment Jeanne peut embrasser la croix si elle a le visage embroché. Et voilà, ben la fin de Jeanne. Oui, et les Anglais auraient dit « Malheur à nous, nous avons brûlé une sainte. » Voilà, alors ça paraît-il, c'est pas tout à fait exact. Enfin, bon, elle est quand même canonisée. Mais pourquoi Charles VII n'a pas levé le petit doigt, ce gros con ? Je pense qu'on est encore pendant la guerre de Cent Ans et que là, pour le coup, c'est évident que là, bien sûr qu'elle l'a servi, Charles VII. Hein. Mais il y a quand même là-dedans aussi, moi, quelque chose qui me frappe, qui est ce qui est lié à la chevalerie. Et est-ce que, avec Jeanne d'Arc, on n'a pas craint, à un moment donné, un retour d'une certaine forme d'élite chevaleresque, comme avaient été les Templiers dont on a tellement voulu se débarrasser le siècle précédent, tu vois. Des fois, je me le demande. Il y a des théories qu'on lit un peu partout, disant que le fameux étendard de Jeanne d'Arc était en fait un étendard templier, alors qu'en fait, bon, l'iconographie représente un étendard où il y a écrit Jésus, Jesus Maria, hein, blanc. Oui. On lit plusieurs choses. Moi, ça fait partie, moi aussi, après tout, j'ai mes propres hypothèses, si tu veux, de modeste historien de ce soir, hein. Mais des fois, moi, je me suis demandé, mais je l'ai lu nulle part, hein, c'est une hypothèse à moi, si on n'a pas voulu, en même temps, que de se débarrasser d'une sorcière, d'une femme exaltée qui faisait peur aux Anglais parce qu'ils pensaient qu'elle galvaniserait les troupes, de se débarrasser tout simplement de quelqu'un qui aurait pu inspirer une renaissance chevaleresque, quelque chose comme ça. Parce que quand on voit cette image marquante quand même du sacre à Reims, on est quand même au cœur, vraiment, de l'idéal de la chevalerie, du chevalier qui sert son roi, qui sert son royaume, quoi. Enfin, je veux dire, je sais bien que, bon, chez Besson, c'est toujours un peu compliqué quand on voit ce qu'il fait, bon, etc., parce qu'il y a toujours un aspect, si tu veux, à la fois, sans doute, mystique. Oui, aussi. Mystique, mais je veux dire aussi une forme d'autodérision. Mmh. Mais la scène du couronnement de Charles VII dans le film, dont tu as passé l'extrait, elle peut être vraiment interprétée comme ça. On a vraiment, on assiste vraiment à une espèce d'apothéose, quoi. Et puis après, tu sais bien qu'il y a toute la partie du procès où effectivement, un personnage plus ou moins démoniaque, fantomatique, lui dit, bah oui, finalement, t'as rêvé tout ça. Enfin, donc on en revient à l'hypothèse de la pauvre petite fille exaltée qui aurait été manipulée ou instrumentalisée, etc. Voilà ce que, à mon avis, on peut dire. Donc, simplement pour conclure, enfin en tout cas pour moi, elle est quand même canonisée en 1920, donc vraiment très tard. Hein, le coup de canon, on lui aura tout fait à Jeanne. Hein. C'est une sainte, sainte patronne de la France, enfin une des saintes patronnes de la France. Et puis, comme tu le sais, c'est important, hein, donc il y a une fête nationale de Jeanne d'Arc le 24 juin 1920, hein, béatifiée en 1909, un peu avant. Là aussi, l'Église catholique a besoin aussi de. Mais quand même, ça a pris quand même beaucoup de temps après, entre la réhabilitation et ça. Fallait-il en faire une sainte? J'en sais rien, je ne suis pas du tout dans le débat théologique, ça c'est tout à fait clair. Et en même temps, parallèlement, la Troisième République va en faire une sainte laïque, c'est tout à fait clair. Hein, le grand symbole républicain qu'évoque Sarko, là, dans le discours que tu as si bien écrit par Guénaud, d'ailleurs, c'est vrai, que tu évoquais, c'est ça, c'est cette époque-là. Hein, et en fait, c'est ça qui est exact dans cette histoire-là, c'est que Jeanne d'Arc, c'est un personnage de notre histoire. C'est pour ça que j'ai voulu évoquer sa biographie ce soir. Je trouve que c'est intéressant, parce qu'on a justement, vraiment, on voit comment, dans l'histoire, justement, un certain nombre de faits historiques complexes
ont pu être instrumentalisés et ont pu être surtout mythifiés jusqu'à nous. C'est pour ça que j'ai intitulé, et j'avais voulu intituler l'émission de ce soir, donc Jeanne d'Arc, mythe et réalité historique, et pas mythe ou réalité historique, parce que pour moi, écoute, il y a quand même des choses qui font qu'il y a bien eu une pucelle d'Orléans. Que veux-tu, moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Olivier, pour terminer cette émission, ça va même encore plus loin. Jeanne serait ressuscitée et réapparue à plusieurs reprises. Mais oui, mais ça fait partie de l'histoire aussi. Voilà, pourquoi pas. Hein? Peut-être pas de l'histoire officielle. Et réapparue, oui, peut-être. Je ne sais pas. Tu as regardé la piste Jeanne des Armoises? Oui, alors oui, j'ai vu ça aussi, mais ça c'est encore autre chose qui dit qu'effectivement, bah oui, là, c'est encore une autre piste qui dit que c'est quelqu'un qui aurait vécu bien plus tard, Bien. Nous nous retrouvons. Alors le jeudi 17. Le jeudi 17 décembre. Il y aura deux émissions encore ce jour-là. 19h21h. Deux émissions ce jour-là. Alors l'émission du 17, et j'appelle je lance un appel à tous les fidèles, Yule, Muriel, bien d'autres. Muriel. À m'envoyer des messages MP sur Facebook. Ce que je te propose, non, on va faire les choses en toute clarté. Tous les jours, tu vas mettre un petit truc sur Facebook, parce que tu viens pas souvent. Tu n'es pas comme moi, tous les jours. Ou alors tous les jours, je vais leur mettre un truc, quoi. Ouais. Pour les saouler, quoi. Pour leur dire, voilà, le 17 décembre. J'attends toujours. Plusieurs. Voilà. J'ai un sujet qui avait été demandé par un visiteur du. Du mercredi. Du forum. Je ne sais plus son nom, il a sous un pseudonyme. Mercure. Oui. Oh non. Il m'avait proposé un truc, je ne sais plus, sur les Japonais. Oui. Sur le Japon. Oui, wow. Ouais. Non, de toute façon, ce sera que des pistes, puisque là, c'est clair que le 17, je n'arriverai pas avec 3 tonnes de notes. On est dans une émission sujet libre avec des vecteurs. 3 sujets, 4 sujets. Oui, voilà, quelques vecteurs. D'accord. Pour lesquels on pourra parler. D'accord. Je pourrais en proposer un éventuellement. Ah, mais tu es sûr que tu peux en proposer, bien sûr. D'accord. Le 17 décembre. Le 17 décembre, bah oui, pour cause de vacances de Noël, hein, parce que bah, évidemment le 23. Oh, quand même. T'es monté à décembre. Mais si, le 23 décembre, je serai là. Toi, tu seras là. Mais avec tes pères brunes, là. Toi, tu seras barré encore en Italie. En Australie Non plus. Bah non, là, on repart pas en Australie cette année. Il y en a quand même du pot quand même. Ah, mais on y reparlera peut-être plus tard. Mais non, là, non, je crois qu'on sera en France. Un bisou à Emmanuel, alors. Ce sera fait. Et en février à Berlin, par contre. Oui. Peut-être qu'on pourra faire une émission sur Berlin. L'histoire d'une ville. Mais l'Algérie, sur Sarko, il y a des sujets. Merci Olivier Burette. À bientôt. Histoire d'en parler, une émission mensuelle que vous pouvez regarder sur la web TV Étoile du Cœur. Et bien entendu, dans quelques minutes, la rediffusion. Ah, il n'y a rien? Mais j'avais mis quelque chose pourtant. Mais comment on veut faire? Il faudrait peut-être que tu parles pendant quelques instants. Je ne sais pas, vas-y, qu'est-ce que tu voulais mettre? J'avais programmé de faire une petite annonce, pour demain. Ben voilà, oui. Ça y est, j'ai trouvé. Vas-y, j'ai trouvé, c'est bon. Vas-y. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno. Vous voyez, ce sont les aléas du direct, ça. Mais nous nous rattrapons rapidement. Alors demain, il y aura deux émissions. De 17h à 19h, Poésie Cap 2020, animé par Jean-Luc Maxence, Pierre Sélos, Jean-Claude Carton. Ils auront un invité. Un invité qui viendra vous parler de la franc-maçonnerie. Et puis 19h30, 21h30, tous les 15 jours, l'émission consacrée à la chrononutrition avec la présence effective du docteur Alain Delabo.
je crois qu'on n'aura pas beaucoup le temps de papoter parce qu'il y a au moins une centaine de questions qui attendent le docteur Alain Delaveau. Mais oui, quand tu leur demandes de prendre soin d'eux, hein, les internautes, ils en ont des questions. Hein. Et puis n'oubliez pas, si vous le désirez, je crois qu'il reste encore quelques places, mais pas beaucoup. Je vous retrouve demain matin à 8h45 à l'endroit qui s'appelle La Villa. C'est au 37 avenue de Friedland, dans le 8e arrondissement. C'est une formule lancée par Hervé et Laurence Lassalas, neveu Lassalas, en collaboration avec la complicité de François Michalon. Ce sont des petits déjeuners que vous pourrez, auxquels vous pourrez assister et que vous pourrez partager, moyennant la modique somme de 35 euros pour un petit-déj. Non, il y a aussi en plus le livre. Donc demain, j'inaugure cette nouvelle série, puisque le 2 décembre, vous retrouverez Michel Jean-Baptiste. Donc c'est au 37 avenue de Friedland, dans le 8e arrondissement de Paris, des petits déjeuners littéraires avec des invités à chaque fois. Il y en aura un toutes les semaines. Bonne soirée, au revoir.